혹시 이거 영어 이름 아세요? 단소랑 제딱 피아노 치면서 단 장점? 그게 있었는데 제 양손을 다 쓰거든요. 그래서 조금 쉽게 했던 것 같아요. 피아노 하면서 연습도 더 되고 타이밍 안 맞으면 또 서로 호흡 안 맞으면 별로 좋은 결과도 안 나오고 해서 저는 근데 이게 팀 게임이다 보니까 여러 명이서 하는 거면 다 Dragon, but the wind becomes lightning, and your death is confirmed. Your fate is sealed. When I think of Koi, the first guy I think of is Marang. He's for sure the most creative, at least. I really like that with him, and that's something I even like learned some stuff from him. He's the key to the team. If you shut him down, then they don't look as strong. It's always a hard game to produce him because I feel like you don't know what he can do. He can always do something different, and you can't prepare versus Marang. That's the thing. Oh, Daikta, this is disaster. If they can secure this kill, Marang gets that one. He always does it, man. Malrang always does it. Level 3, he will get a kill. Malrang proved me wrong. Shigenda's only job is to not die. Does Adam know that he has to all in here? He's ghosting. It seems to have sniffed it out. Q already now used the W, can slow him down, but he's ghosting. Are they actually going to be able to chase him down? The phase rush from Malrang. One more on him, but he does have E. He doesn't even take W. He's a psycho. Malrang always finds a way. 뭐 솔직히 그 G2가 솔직히 조금 말하자면은 탑이 조금 희생을 많이 하고 있는 것 같아요. 그 제가 보면서 놀란 게 앞으로 그래가지고 그냥 조금 픽적으로도 팀 도와주는 픽하고 조금 플레이 인게임 플레이도 조금 시야만 짜주면서 안정적으로 하는 그래서 또 미드봇이 좀 압박 잘하고 전라인이 다 잘해서 그냥 제가 볼 때는 조금 캐릭터 제한도 안 받고 편해 보였어요 조금. Dodging out of vision and 113 will fall as well. My team is giving me a lot of resources, which is different to what all the other youngsters in the league are doing right now. Gaps even played Seriani for me. That's them trusting me that I can take over the game. And I really appreciate that with my team. Oh, turning back. Yike managing to get it. This split, I've also shown that I can also play the facilitators, like the tanks. I played a lot of Fi, a lot of Jarvan's. I'm not gonna be scared to pull these champs out. I know that I can like match him on these champs as well, so let's play. Game 하러 가자. Et nous sommes de retour, mesdames et messieurs. G2 contre Koi, bien sûr, un grand classique du LEC qui nous attend. On faisait le bilan un peu en pré-show, hein. Deux équipes, en prenant bien sûr Rogue précédemment, qui se sont énormément affrontés au cours des dernières années. Et un bilan tout de même favorable au G2. Mais attention, parce qu'en BO, Koi ne s'en tire pas si mal dans les BO5. Mais bon, là, c'est un BO3. Glopo. Et moi, je t'avoue, j'attends G2 qui frappe. Là. Passage au BO3, j'attends G2 qui ne plaisante pas. Mais attention, parce que au Winter, Koi avait été invaincu en BO3, ils n'avaient pas perdu une seule game. Effectivement, stats à prendre en compte. Et le Varus qui est laissé disponible, je ne m'y attendais pas à ce que ce Varus soit open. Il faut savoir qu'il fait partie des champions qui ont 100% de présence, mais très souvent banni. Et donc un first pick extrêmement solide déjà pour la laning phase bot de G2. First pick de Varus. Et on va voir ce vers quoi on se dirige maintenant du côté des Koi, mon cher Chips. Jace, très bien. Jace, techniquement flex, mid et top. Ziganda qui a fait peut-être sa meilleure game ever en LEC sur Jace. C'était au début de ce Spring Split. Du coup, forcément, avec le souvenir de cette game en tête, on va l'observer et on va être exigeant par rapport à sa performance. Là, c'est Johnny de Malrang. Classique. Ouais. Oh, combien classique. Gros classique et qui a une synergie avec Jace, même si elle n'est pas évidente de prime abord. Mais qui fonctionne très bien, pic emblématique bien sûr. Côté G2, alors quelle réponse, sachant que Vi a été supprimé, Maokai également, le Wukong reste disponible éventuellement pour Yike qui a également le permis Lee Sin, il faut le savoir. Et on partira sur un Gragas qui reste un flex, Chips. Ouais, complètement, bah, surtout dans une équipe comme G2 qui, on le sait, bien historiquement utiliser les flex pick. Alors, Est-ce qu'on lockerait pas le support tout de suite pour garder le flex sur le Gragas? Ou alors on part sur un autre flex? C'est vraiment ce jeu-là, si ça lock Panthéon. Bah ouais. D'accord. Parce que là, dans l'idée, Gragas, Pant peuvent occuper au moins 3 positions et voilà. Tu peux aller un peu plus loin
pour Gragas. Et Pant, à une époque, a été support également. Ouais. Oui, oui. Bon, c'était à l'époque où sont eux annulés les coups de tour. Ouais, ouais. Non, mais. Donc, forcément. Oui, oui. Bon, j'y crois pas trop au Panthéon support. Mais voilà. Non, mais ça sort encore. Hein. Ça se sort encore. Ouais, mais il y en a eu. Bien sûr. Tout va dépendre de ce qui va être montré, je pense, du côté des Koi, qui pour l'instant vont sécuriser cette Zeri. Zeri qui reste extrêmement prioritaire, bien évidemment. Et on va pouvoir entrer dans la seconde phase de ban. Alors, qu'est-ce que tu bannes quand tu es Koi et que tu vois Gragas et Panthéon en face? Ah, c'est pas évident. Après, bon, quand on prend l'historique, c'est quoi le mieux dans le Jace? C'est que Gragas top lane, ça gère pas trop mal un Jace. Ah, il y a Irelia, hein. Ouais, mais bon, est-ce qu'on a besoin de cuisiner jusqu'à ce point pour les G2? Pourquoi pas? Pourquoi pas, t'as Irelia. Ah, on en parle en pré-show, c'est sûr. Irelia fait un bon winrate historiquement contre Jace, mais bon. T'as Malphite, hein. Mais ouais, là, il est ban dans le Ils l'ont ban eux-mêmes. Il est déjà ban. D'ailleurs, Malphite ban dans les trois premiers bans, ça me met extrêmement bien. Oui. Bah écoute. Le monde évolue. Ah là, on est au printemps 2023. Ouais. Et oui. Ouais. Oui. Exactement. Dernier ban. Côté Koi, on a supprimé la Tristana. Tristana qui. Pourtant... Tristana, il voit Varus mid peut-être Ou alors Tristana mid, peut-être en réponse à Jace. Sachant que Gragas et Panthéon sont flex. Non, c'est vrai. Mais le truc, c'est que Jace, il a le match-up dans Tristana. On pense que Tristana est une bonne réponse. C'est pas vrai. Mm. Jace a de très bons arguments à faire valoir contre Tristana. On va supprimer le Thresh par contre. Lui, pour le coup, c'est bien un support, on en est sûr. Ouais, mais je me demande si... Au début de l'année, ils auraient joué Emmerdinger avec Varus, les G2. Ouais. Emmerdinger qui, malgré ses nerfs, était encore un petit peu Ash, visible. Hein, mais bon, Ash s'est un peu fait couper les jambes aussi en ADC. Zeri Lux. C'est risqué, hein, de pick Lux, ouais, voilà. Parce que ce Panthéon peut être support. Et le Sylas qui va être ici. Sylas Sage qui était vraiment la recette Koi dans les BO3 du Winter Split. Ouais, on ressort ce qui a déjà fait ses preuves. Le pick Blitz, il est vraiment pas fou là. Non. Je n'y crois pas. Ouh, le Pike Varus est énervé. Hein, si... ah. Et le Hammer. Bah voilà. Et le Hammer, le double range donc pour les G2, Hammerdinger support n'est pas mort, mesdames et messieurs, en tout cas, pas entre les mains de Mickey, ce qui est sans doute, d'après ce que j'ai vu, en tout cas, je trouve le meilleur Hammer support d'Europe. Oh, le Yasuo, il est là. Okay, il est là. Et du coup, où? Bah, il est dans Chase normalement. Et. Donc, ce serait Gragas jungle. Ou Gragas top, peut-être. Et Pant jungle? Possible aussi. Le truc, c'est qu'il y a trop de flex. Un Gragas Yasuo. Alors, en vrai, les G2 là qui nous mettent très très bien en termes de draft. Et je pense que Soraka, j'allais dire Soraka, c'est pas trop mal, mais on part sur la Leona finalement pour les Koi. Ouais, donc bon, un champion qui peut passer au travers des tourelles de Emmerdinger, ouais. mais qui malgré tout devrait se faire saucer en lane. Alors, allez, G2, c'est parti pour les swaps. Le Yasuo de Caps. Est-ce que je suis un du Yasuo de Caps en 2018? Ouais. Oui. C'était quelque chose. Hein. Oui. Oui, oui, je m'en souviens. Bien sûr. Quand on l'oubliait. Et ce sera du coup un Panthéon dans Jace. Hein. Donc. Okay. Ça, en pré-show, vous n'en avez pas parlé. La réponse de Panthéon à Jace. Non. C'est pas une réponse qu'on voit beaucoup. Non, on n'en voit pas beaucoup. Bah, on va voir, parce que là. Le truc, c'est que Panthéon, t'as quand même envie de... C'est un champion qui a du setup avec son stun, mais en même temps, je pense que t'as envie de jouer pour la botlane qui devrait avoir une giga oméga supra prio. Parce que Varus et Murdinger, ça va pousser, honnêtement. On va aller sous la tour, on va jouer les plays très rapidement du côté des G2. Bon, je vois quand même un Yag peut-être plus jouer pour sa botlane malgré tout. Ouais. Clairement. Et le Panthéon, bah on verra, il va peut-être s'envoler pour aller mettre des gants, car mesdames et messieurs, j'ai de Koi un classique. Voilà.
Voilà dans la faille de l'invocateur pour la première game de ce BO entre G2 et Koi. Et on nous sort. Oh! On nous sort le grand jeu avec le Gragas Yasuo dès le début, Chips. Mais est-ce qu'on est en solo queue, mesdames et messieurs? Triple Ignite pour les G2. C'est vrai. C'est vrai. Pas de TP. C'est vrai. Ok. Ambiance. On sort vraiment le grand jeu. Voilà, ambiance. On y est. On a les deux pieds dedans. Côté G2, on est là pour se mettre en confiance. On est là pour mettre une gifle, si possible. À cette équipe Koi qui nous sort, tu l'as mentionné, le Sylas Sejuani avec la Leona. Ce qui est bien avec ces trois pics, c'est que les sandales de Mercure ont beaucoup, beaucoup de valeur. Mais donc Jace se frotte les mains. Très, très rigolo, hein, ce triple Ignite là. Yike avec Electrocute. Donc, pareil, le potentiel de burst est très présent. Et alors ce Panthéon dans Jace, Panthéon embrasement. Mais Ignite, du coup, c'est... Ouais, ouais. C'est un petit peu énervé quand même. Monsieur Broken Blade, qui a peut-être quelque chose à nous faire découvrir ici. On va voir, en tout cas, Caps, qui s'avance, qui veut prendre l'information. Alors qu'on peut voir sur la minimap que les deux junglers vont start sur leur bot side. Et les Corbins sont wardés. Et Caps qui zone directement l'arsa. Il est prêt à se battre. Hein. Il a un létal tempo Ignite. Ouais, ouais. Ouais. Il en a rien à faire, Caps. C'est tout pour la bagarre. Alors quand même, on devrait avoir un Ziganda qui maîtrise la portée, qui devrait parvenir à chunk Broken Blade et Malrang qui se dirige vers le topside. Attention pour Broken Blade, encore une fois. Et Yike également qui se dirige vers le topside, donc on va pas tenter d'abuser de la giga prio qu'on devrait obtenir avec ce Varus Heimerdinger sur la botlane. Ouais, non, non, là, les regards se tournent plutôt vers ce topside. Et là, du coup, la prio mid va être très, très importante. Parce que top, je l'ai mentionné, Ziggana devrait être en mesure de la prendre. Et pourtant Broken Blade semble prendre l'avantage. Il a pris niveau 2 en premier, Broken Blade. Et Ziggana était obligé de respecter. Et donc finalement, c'est Broken Blade qui prend la prio. Ouais. Mais attention, parce qu'on a l'arrivée de la Sejuani. Malrang. Qui a esquivé la ward au niveau des Corbins. Et qui va prendre l'information sur la position de Yike. Malrang, qui n'a pas la prio top, on le rappelle. Face au jungler DG2, regardez sur la minimap, Caps, pour aider caler le premier ici, Malrang en a conscience et va s'en retourner dans sa propre jungle. Qui encercle qui, hein? Dans ces situations, c'est jamais totalement clair. Il y a qui scout ici, qui délange Malrang. Ah, il va jouer ses Corbins comme ça. Ah ouais. Nature. Alors mais que mid, même temps, regarde le travail de Caps, regarde le travail de Caps ici. Il y a qui se retourne sur Malrang. Caps qui va pouvoir prendre un relais, bien sûr, ici, se projeter au contact de Malrang. Mais Malrang... qui peut se repositionner et le boulot de Caps hein, qui est outrade Larsen ouais. Sur cette mid lane. Voilà le mid jungle G2 qui fait un peu parler la poudre dès le début. On va priver Malrang d'un camp. Broken Blade qui a le temps de crash cette wave ici, qui ne sera donc pas inquiété cette early. Et signé d'une main de maître pour l'instant, mené d'une main de maître pardon, par les G2. Avec un petit avantage dans la jungle du coup pour Yike, qui a pris un camp à son adversaire et qui a même un angle de double scuttle s'il le souhaite. Ouais, on va suivre ça, mais effectivement, Caps qui fait un sacré boulot pour l'instant. Petit reset du coup pour Caps, pas de problème. Reset également pour Broken Blade, sortie de base avec double épée longue. Et finalement, Yek qui va juste clear son topside. Reset pour Malrang. Non, il reclique top Malrang là. Ce serait le pire choix possible hein, de partir top, je pense, pour le jungler d'Ekoi. S'il fait ça, il va traverser le désert, il va tomber tellement derrière. Mais en fait, il a pas de camp. La wave top n'a pas crash pour Ziggana. Et il a très peur que Yike vienne le ganker du coup et vienne punir Ziggana. Et donc, Malrang là qui fait un choix très engageant. Parce que là, en termes de ressources, il va vraiment potentiellement tomber derrière si ça se passe mal. Et Yike n'est pas loin. C'est parti. Et il avait raison, Malrang. T'as flash in du côté de Broken Blade. Malrang est présent, mais est-ce qu'on peut gagner ce 2v2 là avec ce Panthéon, le flash in du côté de Yike, beaucoup de dégâts, mais Ziganda qui décide de se retourner. Ziganda qui joue aux limites, superbe de Broken Blade qui encaisse la boulette chargée de Ziganda. Oh, tourne le dos, le stun qui passe et derrière le 2v2 qui est remporté par les G2, double kill pour le Panthéon de Broken Blade. Ah, c'est une fin de game. La Malrang il veut Alt F4 la game. Ah, là Malrang dans le chat il tape FF15 guys. Oh, oh l'enfer là pour les Koi. C'est terrible. Deux kills pour le Panthéon. Oh, yeah, yeah. Mais le E de Broken Blade pour encaisser la boulette chargée de Ziganda, c'est ce qui permet à Broken Blade de pouvoir continuer le trade dans ces conditions, hein, tout ouais. simplement. Ouais. Ouais, c'était très bien joué. On va le revoir. Il y a une décale ici sur cette mid lane
qui vient sécuriser Caps, qui a envie de push cette wave, le stun qui a failli connecter. Ça aurait pu forcer le flash de Larsen ici, alors qu'on a Malrang et Trimby qui se montrent, qui sont vus, qui vont reprendre la vision. Et Malrang hyper actif hein, avec sa sèche. Ça doit faire une minute qu'il a pas touché un camp dans sa jungle. Et qu'il est toujours au service de ses laners, même si ça se passe pas. Et regardez l'écart de farm entre les deux jungleurs. Mais attention, parce que cette méthode de jungling, qui était quand même la signature de Malrang, elle est censée être un peu moins efficace maintenant. Caps, attention, Caps qui va tomber ici, le bon trade du côté des Koi. Ici, on tente un ulti Gragas récupéré par Larsen. Les G2 qui vont pouvoir reculer désormais, quoique, tenter de se retourner sur Trimby. Ils n'ont pas les dégâts pour le faire tomber. Mais Caps qui se fait surprendre. Ouais. Ah, le Z de Leona ici, hein, qui est salvateur. Ce spell en early, c'est extrêmement fort. Et ça permettra ici de disengage. Caps qui est tombé malgré tout. Et il lui a volé. Ouais, je crois. Il me semble. Non, mais Malrang, il est niveau 3, Malrang. Oh là là. Oui. Bah, il y a des choix aussi qui sont faits par Malrang. Ah oui. Oui, oui. Il va se faire cancel. Ouh. Ça aurait été cocasse. Attention. Il perd ses golems en plus. Sauf si on veut dive. Il veut dive, Yek. Est-ce qu'ils peuvent? Attention parce que Leona arrive, hein. Regardez sur la carte. Ouais, Yaik qui prend l'info. Et Malrang, ça y est, qui a cliqué bot side. Qui retourne cycler sa jungle. Ah, il faut prendre des camps maintenant, Malrang. Hein. Niveau 3 à 7 minutes. C'est quand même très bas. Même si, bon, Yaik est pas non plus en surplus d'XP. Oh là, au bot, il se passe des choses. Tandis qu'on revoit ce play. Donc là, regardez, hein, le E. Là maintenant de Broken Blade, là ici, hop, on encaisse. Et du coup on retrouve le cooldown du Z. Et ouais, pour moi c'est le petit élément qui fait la différence. Alors, bilan des forces. Ce Panthéon est terrifiant. Il prend une plaque en plus, il fait perdre un peu de farm à Sigana sur ce timing. Et surtout il vient de passer niveau 6. Et là si tu regardes la carte... La Wavebot, ça bounce. Il y a Panthéon qui a son niveau 6, qui a son embrasement. Est-ce que ce serait pas le moment rêvé pour mettre un ulti ici? Oh la cap, c'est bien joué là avec ce vol. Oh, superbe cap qui cancel. Le permafond de Sejuani. On essaie de se retourner. Et cap qui va malgré tout tomber encore un 3v3 sur la mid lane. Mais oui, hein, l'interaction, le Windwall qui cancel le permafrost Sejuani qui est un projectile. Projectile qui va très vite. Les projectiles quand même. Oui. Yaek, attention Yaek, il s'était trop avancé, il se fait intercepter. Mais on a l'entrée dans le fight de Broken Blade qui va se faire parachuter, qui va intercepter Sigenda et lui infliger sa seconde mort sur le prochain Q-spell. C'est validé, 3 kills pour le top laner des G2 et des junglers qui jouent autour de leur solo lane dans ce début de partie qui donne le rythme de la game. Ouais, complètement. Alors honnêtement, je m'attendais à ce que ça joue plutôt vers la bot lane avec la pression de ce Varus Tamer. Clairement. Mais non, pas du tout. Caps qui a pris quand même de sacrés risques quand même hein, au niveau de son positionnement. Il n'a pas de vision dans le pit des Raptors, hein, on le rappelle. Donc son positionnement était vraiment très risqué. Et il joue, c'est le vrai Yasuo player quoi. C'est tu joues avec lui, sinon il va jouer sans toi et ça va mal se passer. Mais il force le jeu et derrière Yaki s'avance énormément, mais il y a l'ulti de Panthéon. En plus Mikix il a pas de mana hein, sur ce moment. Genre depuis le début du play il a pas de mana. Et on voit hein. Là on est dans la pauvre de Broken Blade, vous avez vu, hein, il a pas loupé son Z hein, sur ce Jace. Bien joué à lui. C'est un point and click. Mécaniquement irréprochable, absolument. Il faut le souligner, merci Chips. Ouais. Et regarde, les deux junglers qui sont encore autour de cette mid lane. On prend la prio mid et on a envie visiblement de jouer topside. Est-ce qu'ils peuvent envisager ce héros de la faille? C'est dur, hein, jouer sur ce Panthéon qui a son éclipse de compléter. Oh, ah, ce pente, il est terrifiant. Oui, et honnêtement, quand il va mettre des ultis sur le reste de la map, bonne chance. Après, il peine un peu au niveau du farm, mais c'est pas grave, il a des kills. Mikix. Eh ouais, ce dragon qui est tranquillement réalisé par les G2. Les Koi n'ont rien pu faire. Et Hans qui travaille cette tour. 20 creeps d'avance pendant ce temps. Bah ouais, c'est un peu dans l'ombre que cette botlane se passe finalement. Tout le jeu est top mid dans cette game. Mais ce qui devait arriver est en train d'arriver, à savoir que la botlane de G2 naturellement gagne assez largement le match-up.
Si tu laisses une lane Emerdinger en pure chilling, c'est ce qui se passe. Au derrière, Caps qui va initier, qui va mettre un ultime. Il y a un follow-up parfait de la part des G2. On n'a pas le droit de jouer pour Larsen malgré le flash disponible. Ça va trop vite, bah ça ouais, va trop fort. Mais il a pas vu chez Emerdinger arriver, il a pas de vision dans sa riverbot. Et le follow-up était juste bien clean pour les G2. Il est oppressant, Mikix. Toujours avec Emerdinger. C'est une dinguerie. Broken Blade sur cette top lane. Les trades sont vraiment pas marrants pour Sigunda sur ce timing. D'un côté t'as une Eclipse, de l'autre t'as une tire. Oui, c'est à peu près ça. C'est quand même un rapport de force passablement déséquilibré. Disons-le. Caps, qui a un comité d'accueil ici. Caps, attention, qui n'a pas de flash et qui va tomber, je pense. Oh, mais le Panthéon ! Qui est-ce qui débarque depuis les cieux ? C'est Broken Blade, bien sûr, 4-0 pour Bibi. Attention, on est un peu à court de mana, même du côté de Broken Blade, il va falloir respecter l'arrivée de Zyganda, mais la présence de Mikix ici, qui va peut-être faire la différence. On se retourne, on va chercher le shutdown. On joue un peu avec le feu, côté G2 eSports. Attention, Yannick n'a plus de mana. Oh, oh, le snipe, la stopwatch de Mikix qui va flash out et qui arrive à bête. Heureusement que le stun ne connecte pas, sinon c'est un kill sur Sigunda, je pense. Mais Yannick n'a pas de mana, il peut plus c'est rien ça, faire. C'est si ça le problème. Si ce n'est bouger son corps devant cette Leona et ce Jace. C'est incroyable ce qu'on a assisté le snipe. Il y avait de l'idée pour Sigunda qui cherchait encore Mikix, même sans la vision, alors qu'on voit que ça ping dans la rivière. C'est Malrang qui va prendre ce scuttle sous le regard de Hans. Dis donc, cette early est dynamique, hein. Il se passe des choses. La chaîne de corruption qui force le flash sur Trimby. On ne s'ennuie pas dans ce match. Ah, les G2 qui sont venus avec des ambitions, honnêtement, dans la draft, ça, il n'y a rien à dire. Ouais, Caps. Est-ce qu'il aurait pu faire quelque chose de différent, la Caps ? Il n'y a pas de flash. Et derrière ce Panthéon, il met des mandales. Après, il a plus de mana. Ouais, ouais, c'est un peu le problème. Et là, en vrai, Mikix, quand il bait à la stopwatch, c'est juste après, et qu'il flash out, s'il touche son stun, Sigunda est mort. Même s'il n'y a pas de mana sur Yaek, je pense. Parce que là, il y a le snipe qui va esquiver avec sa stopwatch maintenant. Et là, du coup, t'as Trimby et Sigunda qui walk up pour essayer de le finir. Et là, le flash, et là, s'il stun maintenant, il aurait fait un boulot, mais exceptionnel. C'était déjà pas mal. Oh, il est là, Mikix, hein, clairement. On le remarque dans cette game. Beaucoup d'activité autour de la mid lane. Ce Yasuo contre Sylas qui vraiment cristallise toutes les tensions. Ah, mêlée contre mêlée, hein. T'es obligé de jouer autour de cette mid lane. Attention, on va initier l'éruption solaire qui connecte juste derrière. Oh, qui parvient à se repositionner. Oh, on va l'ultime sur deux joueurs. Trimby qui va se faire focus, qui va tomber le premier sous les dégâts de Mikix. Est-ce qu'on peut aller chercher quelqu'un d'autre pour les G2? Le bras de fer qui ne cesse de se livrer sur cette mid lane. Mais quelle tornade du côté de Cap, c'était absolument magnifique. Ici, l'envol de ce Yasuo. Toujours un 3v3 entre Koi et les G2, mais attention. Ganda. Le snap, il y a un windwall, on sidestep. Mikix va quand même prendre les dégâts, mais on n'a pas de quoi inquiéter davantage le support des G2. Et pendant ce temps, sur la botlane, les deux ADC qui sont laissés en autarcie. Complètement. Et à ce petit jeu-là, ça fait le jeu du Varus. Ouais, 26 creeps d'avance. À 14 minutes, 150 creeps. Hansama, il doit être en mode... moi aussi, je peux m'amuser ou... Je peux avoir mon support ou... Ah, d'habitude, c'est souvent lui qui s'amuse plus quand même. Oh, Broken Blade, mais est-ce qu'il peut pas un V2 Broken Blade? Non, la rotation CC proposée par une Leona est beaucoup trop redoutable. Je le voyais fed, mais il est peut-être pas tant que ça, ce Panthe. Ça reste un champion qui a des limites. Et derrière, on trouve un bon roam pour Trimby. Gordrinker d'ailleurs pour le Jace. Qui a malgré tout une trentaine de CS d'avance, hein. Bah ouais, c'est quand même... Bah Panthéon est un champion qui, en général, accumule les golds en tuant ses adversaires. Pas parce qu'il a un farming pixel perfect chauvien. Et un deuxième dragon qui tend les bras au G2.
Est-ce que pour les Koi, on a de quoi répondre le bon drift avec la pression de Blast qui va connecter sur Mikix, qui n'a plus de stopwatch. Mikix qui ne meurt toujours pas, pardon. C'est trop grave. L'ultime défensive de Yak a été pixel. Mikix qui trouve de très bons clics, mais qui va finir par tomber sous les dégâts de Larsen. Le fight est néanmoins à l'avantage. Larsen qui a piqué une chaîne de corruption et qui, du bout de la chaîne de corruption, va chercher Mikix. Mais Mikix, vraiment insolent avec ses déplacements. Je pense qu'il était en train de rendre chèvre les Koi. Et deux dragons à zéro pour les G2, malgré tout, il est là, le bilan. Et 4000 gold d'avance au quart d'heure de jeu. Attends, mais... Oh, quelle mauvaise inspiration de comp. Comp, il en peut plus d'être tout seul sur cette botlane et de voir son équipe perdre. Et au bout d'un moment, il craque, il fait ça. Ouais. Il craque. La vie d'ADC. Et donc, deux dragons, effectivement, pour les G2 et surtout un petit lead économique. Porté, certes, sur les solo lane et la jungle, mais aussi du côté de Hans, hein, qui a quand même une sacrée avance. Et qui avance bien en termes d'items. Le shield bow, de l'attaque speed supplémentaire. Mmh. Se rapproche très vite de la Ginsu. Ouais. Ouais, ouais, il y a du melee en face. Donc, clairement, son petit build on hit qui va avoir son effet. Là, je suis curieux de voir aussi comment va jouer G2 en mid game, tu vois. Parce que là, il y a encore quelques tours qui permettent de... Oh, hello. Oh, les Murdinger. Bah ouais, hein, franchement, ça croque sous la dent. Bien sûr, Ziganda, là, qui est venu raccompagner Mikix, qui était un peu loin dans la jungle des Koi, il faut le dire. Ah, peut-être un petit peu en confiance, Mikix, qui s'est cru chez lui. Il fallait quand même mettre les points sur les i à un moment. Ziganda s'en est chargé. Ça ping sur ce bot side. On commence à déployer le 1-3 hein, pour G2. Enfin, je dis 1-3, mais c'est Varus qui split push top. Donc, Hans, vraiment. Hans, ouais. C'est lui le soleiner dans cette game. PVE mission. Sur son île. Bah, il a un niveau d'avance. Il a deux niveaux d'avance sur son top, un niveau d'avance sur son mid laner. Tout est normal. Il est niveau 12. Il a 5 niveaux d'avance sur les supports. Ça n'a aucun sens. Top level de la game avec Ziganda. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui a la réponse sur ce qui se passe, s'il vous plaît? Est-ce qu'à ce petit jeu-là, Koi est gagnant? Il est en train de solo le Herald. Oui. Non, mais vraiment, ça me fume. Hein. C'est un solo laner ADC jungler. Ouais. Il fait tout. Eh, c'est ça, en fait. On vous parlait de flex pick chez les G2, mais il joue Varus solo lane. Eh. Ça, on en fait, le truc. Non, mais là, que Mikix survive aussi longtemps. Oui, oui, oui. Non, mais enfin, vraiment... Mais Yike a cancel la chaîne. Oui, oui, il s'est mis devant. C'est mis devant. Oh là là. C'est... Yike est pixel, hein. Yaya qui est passé par la division 2 d'ailleurs. Ouais, totalement. Incroyable. Et attends, il s'envoie avec une cuisse de poulet là. Ouais, on dirait bien. Mais qu'est-ce que c'est que ce poulet? J'attendais presque que tu fasses le bruitage. Mais t'as le droit de nous épargner aussi. Tu veux dire le phénix bleu qui s'envole? Oui, oui. Tu as saisi. Le poulet bleu, on prend aussi. Bon, en tout cas, 6000 gold d'avance, 5000 gold, j'exagère pour G2. Mais surtout, ce Varus qui spike deux items, il a un item complet d'avance sur comp. Ouais, vraiment, enfin, la game de Hans me met très bien. Ouais, voilà. Cap qui s'envole, Ziganda résiste. Attention, la cap, peut-être que ça va être difficile, peut-être que ça va être difficile. Et oui, il va rapidement tomber, mais regardez! Oh, le strike du Panthéon qui arrive et qui ratiste les Koi, double kill pour Broken Blade. Et on accélère directement avec l'invocation du héros de la faille. Oh, les frappes aéroportées de Broken Blade. Mais c'est vraiment ça. Pixel. Est-ce que c'est Broken Blade ou est-ce que c'est la Easy Company? Je ne sais pas. Mais à chaque parachutage, c'est un carnage. Et à chaque fois, et on peut plus le lead. Parfaitement, Malrang qui explose. Et Malrang, il est full tilt depuis la minute 1, où il est tombé derrière, dans la jungle. Il a pas de game, Malrang. 87 creep. Il aura difficilement un deuxième item dans cette game, je pense. Ouais. Mais ouais. Yike est tout à fait pixel. On va revoir ce playbot. Avec Caps, voilà. Caps qui entame son play, qui bait tranquillement, voilà. Et puis là. Tout le monde qui est au contact. Hop, oh là, le Freeman Body Slam. Et là, Broken Blade. Yike sur l'atterrissage. Le tapis rouge déroulé par Yike. Je te jure.
C'est incroyable, notre Imbi qui va drop une ward. Est-ce que c'est suffisant pour rester en vie? La chaîne de corruption qui va connecter la rotation de CC proposée par Yak est parfaite. Trop. Est-ce qu'ils peuvent pas call Nash là en vrai? Avec ce Varus qui est à Ginsu, en vrai. On call Nash ou... Bah, il y a moyen. Ouais, moi j'étais hype personnage, mais. Ils peuvent le fumer. Il y a un troisième dragon qui paraît plus safe. Et après, faut voir un truc quand même, ils ont pas de TP aussi les G2. Alors, ils ont ulti pente, mais qui est pas dispo. Ils ont pas de TP sur Yasuo. Donc, il y a un côté aussi où. Cap des bots, c'est vrai. Tu peux pas trop. Tu peux pas trop t'amuser à start un baron, je pense, si t'as, un... si t'as le Yasuo bot. Ouais, ouais. Il faut quand même un moment respecter, même si t'as presque 10 000 gold d'avance à 20 minutes. On va se contenter de ce troisième dragon qui reste tout à fait correct. Et là, pour Koi, ça ressemble de plus en plus à une impasse. Je sais pas trop comment on envisage les portes de sortie. Comp est toujours en 0-0-0. Mm-hmm. Comp qui donne envie à des générations entières de jouer ADC, je pense, dans cette game. Bah là, c'est vrai que... C'est pas drôle, hein. En plus, en ce moment, ADC, c'est vraiment pas mal, normalement. Cette game fait un petit peu exception. Sauf quand tu t'appelles Hand, c'est que tes coéquipiers font cette early. En tout cas, on commence à mettre la pression autour de ce baron Ashor. On va prendre le contrôle de la vision. On sait que Sigunda est sur la botlane. Sigunda qui dispose de sa TP, cela étant, qu'il faut respecter. Faudrait peut-être la bait, la forcer cette téléportation, la forcer un play sur ce top side pour G2 avec l'avance économique dont il dispose. Et ça passe par ce call Nash. Allez, là cette fois-ci, tout le monde est là. C'est parti. Oh, quand même, cette vilaine pink ward qui reste dans ce buisson. Un peu ça, celle-là, mais bon. G2 n'en a cure. Le win wall. Oh, le 50-50. Allez, oh le vilain 50-50 qui est puni par Malrang ici. Cap qui se retourne. On tente de jouer du côté des G2, mais c'est pas la folie, honnêtement. Quoique, allez, on stama qui part à l'attaque. Mais vous avez vu à quel point il bombarde dans le stama. Petit sidestep de Combe qui est trouvé malgré tout. Mais G2 un peu déçu, la Glopo. Bah. 2 pour 1 ouais. Avec Baron perdu, c'est sûr que voilà, le bilan est pas fameux. Bah, en fait, il faut contextualiser, on rappelle qu'il y a 10 000 gold d'avance avant ce call Nash, environ. Et donc, bah ouais. Quand tu as 10 000 gold d'avance et que tu te retrouves à 50-50 Nash, c'est vraiment, vraiment. C'est vraiment pas ouf. Ouais. On va revoir. Est-ce qu'ils ont estimé qu'ils pouvaient contrôler Malrang avec un ulti Gragas? Ah, ils ont Windwall, mais bon, la Stéjani passe au travers du Windwall. Attention. Personne qui fait rien. Yay, voilà, qui est même pas contre le mur. Voilà. Vraiment. On invite Malrang à rentrer et à se servir. C'est ça. Alors Malrang, c'est le mec qui rentre chez toi, qui vide ton frigo. Sans te demander. Ouais, et Comp qui doit flash out et trouver ce sidestep. Bon, la situation est toujours compliquée hein, pour Koi. Mais ils se sont achetés un petit peu de sursis. Et ils ont une série. Voilà, c'est ça. En termes de scaling, il y a quand même quelques arguments à faire valoir hein, pour la composition des Koi. Il y a ce Jace, il y a cette Zeri. En moindre mesure, le combo Sylas plus Sejuani. Là où en face, t'as ce Panthéon. Qui peut tomber un petit peu. Ouais, Panthéon qui est pas forcément le champion qui scale le mieux dans l'idée. Surtout face à une draft qui est finalement avec pas mal de tankiness chez les Koi. J'avais pas vu que Bibi avait fait deuxième item BRK. Ouais, effectivement. Ça doit être sympa sur un Z où t'as toute ta fureur de charger. Clairement, clairement. Et en plus, il y a 3 mêlées et demi en face. Du coup, parce que je parlais de la tankiness, mais du coup, comme il a BRK, peut-être qu'il va un peu plus s'allumer que ce que je pensais en réalité. Intéressant. Il a de quoi la proc. Hein. Parce qu'il va y avoir beaucoup de corps à corps dans ce match. Ouais. De toute façon, on l'a bien vu jusqu'à présent. Et 1 minute 40 avant l'apparition de ce quatrième dragon qui débloquerait potentiellement la stall pour G2. Alors que le baron Ashor, sans grande surprise, n'a pas vraiment été exploité par Koi. Non, mais bon, ils ont gagné du temps avec. Exactement. Et c'est ce qu'il leur fallait. Parce qu'attention, on rappelle quand même Koi, pendant la dernière semaine de LEC, ils ont volé un peu quelques games en very late, sur des gros comebacks. Donc c'est des situations auxquelles ils sont un peu habitués en ce moment. Ouais. Ouais, il faut faire attention. Hein, parce que de 10 000 gold, on est passé à 5 000 gold de retard. Et ce dragon, est-ce qu'on peut envisager de le défendre pour Koi? À en juger par leur positionnement sur la carte, on a l'air de... On pourrait penser que oui, que c'est ce qu'ils se disent.
On va vouloir walk up sur cette mid lane. Push un petit peu. Larsen a sa téléportation, donc il peut se montrer top et push. Il pourrait être au rendez-vous. Cette sol pourrait être embêtante. Hein. Après, c'est pas une sol qui est très... C'est pas la meilleure. Ouais. C'est pas la sol qui a la meilleure réputation, mais bon. Après, tu vois, les Yasuo, auxquels il reste 5 HP, et t'as le Shilbo qui proc, t'as le passif qui proc, il sustain. C'est sûr, c'est sûr. La soif de sang en plus. Tama, les pieds agiles. La mid prio est complètement... concédé. Et pour cause, Larsen se montre sur cette top lane et push. Larsen va falloir TP mon bro si tu veux défendre ce dragon. Parce que ça va commencer maintenant. Bah, est-ce qu'ils vont même le défendre? On va cross map. On va cross map. On va cross map, prendre la T de top. Je pense pas qu'ils auront le temps de prendre la tourelle mid, malheureusement pour eux, les Koi. Et c'est une âme de débloquer pour les G2. C'est sûr, mais bon, ça nous amène à un ancestral, et l'ancestral, on aura sans doute 3 items du côté de la Zeri de comp, à moins que le prochain baron soit plus clean pour les G2. Parce que bon, il y a quand même l'étape baron bien avant l'ancestral. En plus, ce Nash, vraiment, s'ils se le font pas voler, il y a un monde où la game est terminée maintenant. C'est vraiment une grosse erreur qu'ils ont fait. Bah ouais, je suis d'accord. Très 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 joueur. G2. Jouer comporte des risques. Absolument. Allez, reset pour Bibi. Part sur quoi Sur son Panthéon là en 3ème objet. Quand même, ce Jace il commence à faire mal. Hein. C'est vrai qu'il a 3 items, hein, Siganda, mine de rien. 40 creeps d'avance, il a pris quelques kills. Non, il est là, il est dans sa game. Ah ouais, faut le respecter. Alors, quel est le prochain play pour G2 là? On veut visiblement jouer sur l'axe mid top. Il y a le Baron Nashor qui va bientôt apparaître. Oh, Cap. Il s'avance. Oh là là. Ses coéquipiers sont là, mais pas là en même temps. Alors, Yai qui est en train d'arriver malgré tout. Caps, ok. Il l'a embrasé. Ok, d'accord. Bah, l'arrivée du Panthéon. Bah, il y a du monde en fait. Les Koi qui n'ont pas voulu suivre l'initiative de Trimby, ils l'ont pas senti. Bah, tout va bien pour Koi. Trimby, enfin, pour G2. Il a mis son Ignite sur Gap, ça me met extrêmement bien. Rage Ignite. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et ça a à peine fait proc son shield. Ouais. Mais très très bien. Et ils ont pas voulu y aller, les Koi. Très avec Panthéon. Traverse les airs. Et du coup, bah. Pas de Trimby. Call Baron Nashor. Ok. Balrang, cette fois-ci qu'on contrôle un petit peu mieux. Est-ce que ce sera suffisant? 4000 points de vie, 2000 points de vie, ça tombe très vite. Le Baron Nashor est sécurisé pour les G2. Est-ce qu'on veut fight? Est-ce qu'on peut prendre ce fight vraiment pour les Koi? Est-ce que c'est bah oui, le pixel de la part de Yak qui va servir de rampe de lancement pour Caps qui se projette instantanément dans les lignes ennemies? Est-ce qu'on peut rattraper le fuyard, le flash in à l'antenne? Oh Yak, encore une fois, qui fait une passe décisive à ses coéquipiers. Mais allez, Yak, magnifique setup sur l'ultimate. Yak. On se permet de stopwatch ici au nez. À la barbe des Koi, Yike en plein smurfing, tout simplement. Oh, et Broken Blade qui cancel Ziganda ici. À l'instinct, il savait où il était. Mais Yike. Ziganda, l'embrassement. Il y a Mickey qui arrive sur le côté, il n'y a plus d'espoir. Il met beaucoup de dégâts, cela étant, mais pas suffisamment. Trimby qui avait utilisé son Solari pour essayer de le sauver, qui ne suffit pas. Et Trimby qui va mourir pour la seconde fois, seul, abandonné de tous. Trimby. Yaik encore au boulot, encore et toujours au charbon, Yaik. Oh god like, mais oui la monsieur. La game de Yaik est illégale. Il a 20 participations sur 22 kills, il est mort 0 fois. Il est à chaque fois pixel sur ses bums, que ce soit ses coups de bidon ou ses ultis. C'est une dinguerie. Yaik est on fire. Mais après, l'Espagne va nous dire que c'est pas le meilleur jungler d'Europe. Si on se met à écouter tout ce que l'Espagne nous raconte. Comment il va, Ibai? Écoute, hein. Oh, je l'ai vu plus joyeux. Regardez la bomba. Oh là là. Ah, c'est de l'ASMR à regarder. De l'ASMR pour les yeux. Et là, le coup de bidon de Yak, mais comment il a la range? Pile poil. Oh là là. C'est. Le Gragas Yasuo à la sauce G2. Gage de qualité. Et compte. Qui aime son rôle, toujours.
Comp, il a 1-1-0 dans la camise. C'est un passager. Allez, l'envol, l'envol, c'est parti. Mais regardez encore, regardez encore le setup de Yike offert à Cap, tout simplement. Très très belle ulti trouvée ici, Broken Blade qui profite bien sûr de la confusion pour se servir. Ziganda qui tente de récupérer la wave, il est chassé par Emerdinger qui en a gros. Et c'est la énervé. Fin de la game, tout simplement. Ah ouais, c'est un push final hein, sur la demi-heure de jeu ici qui proposait par les G2 qui disposent du Baron Nashor, qui ont énormément de sbires à leur côté. Et le Nexus qui est à la merci et qui va voler en éclat quand on aura fini de faire Mumuse. Ah c'était sale. Ah hein, oh, c'est petit régal quand même la game que nous propose les G2. Erreur, enfin le premier Baron Nashor a été mal négocié mais pour le reste. C'est dommage hein, parce que s'ils le font proprement, cette game c'est un bon, non méga. Ils les éteignent vraiment. C'est... Ouais. Ah ouais, ça aurait été une clim magistrale. C'en est déjà un peu une. Hein. Je pense que là, les joueurs Koi, ils sortent secoués d'une game 1 telle que celle-ci. Bah, t'arrives, tu commences ton BO3 en face, tu te prends Yasuo Panthéon. Ouais, Yasuo Panthéon et Merdinger. Tu vois. Ouais. T'as Gragas Panthéon qui ont été épiques dans les trois premiers picks ouais. Dans le draft, en blue side. Donc, C'était du G2 tout craché, mesdames et messieurs. Mais restez avec nous, bien sûr. On va débriefer de cette game, de cette draft. En plateau avec Twix ou avec Fingin. A tout de suite pour TP. Première partie en faveur des G2 eSports, mesdames et messieurs, vous l'avez contemplé dans le plus grand solo queue style face au Koi. On est là bien sûr pour débriefer ou plutôt pour s'interroger plus précisément, puisque je pense que les conditions de ce match sont si particulières. L'arsenal G2 qui a été mis en avant ne correspond pas aux attentes qu'on avait forcément en tête. Par contre, en revanche, côté Koi, effectivement, du textbook Koi, entrée, plat, dessert, vraiment jusqu'au bout. Hormis peut-être la botlane qui sort un petit peu des sentiers battus malgré tout, Fingin. Ouais, on voyait la Soraka. On voyait Soraka. On s'amuse à anticiper les drafts du côté des Koi. Et... ça va être pas mauvais. Hein. Ouais, on a vu que Trimby nous a surpris. Cette petite Leona qui a été sortie, mais malheureusement, ça n'a pas été une réponse suffisante. Absolument. Il a quand même essayé d'intervenir sur le top side, un top side qui en avait bien besoin. Et pour cause, Glopo. Une draft G2 assez particulière. Alors, c'est très bien parce qu'on a l'ordre, effectivement, des ouais. Sélections des champions. Et donc, on doit peut-être apprendre ici, côté Koi, que le Jace appelle le Panthéon. Ben, justement, en fait, je voulais regarder la draft parce que je m'interrogeais un peu là-dessus. Là, tu regardes, il y a eu First Pick Varus. Jace a été pick en 1-2 en Red Side par Koi. Et là, tu as Panthéon qui a été pick en 2-3. Le truc, c'est que sur le Red 4, Koi montre Sylas. Et donc, ils savent que le Jace est top. Mais s'ils avaient Blind Pick Support, s'ils avaient Pick Support ici à la place. On aurait fait quoi avec Panthéon, tu vois ? C'est ça la question que je me pose. Qu'est-ce qu'on avait prévu ? C'est une très bonne question, mais peut-être qu'on est trop dans la théorie et pas assez dans la pratique, parce que le Jace, avec Sejuani, tu sais que... Enfin, il y a un Sylas chez Koi, quoi. C'est tout. Enfin, je pense qu'on pourrait limite faire... Historiquement, c'est vrai. Une corrélation précise entre Sejuani et Sylas Mid pour les Koi. On paye un petit peu ce côté prévisible. Alors, peut-être que je fais des plans sur la comète, mais quoi qu'il non, en soit... Non, en vrai, ça se tient. C'est pas ça qui définit tout. Ce qui définit tout, en réalité, c'est l'audace des summoners, puisque... on a un Panthéon, bien sûr, on est topside. Bon, à l'image d'un chêne, on se prive de la TP, on se dit qu'on va pas en avoir besoin et c'est une assez bonne version des choses. Ignite mid, Ignite bot avec un Heimerdinger. First strike. Ouais. First strike. C'est... Allô, first strike. Ouais, tout à fait. On génère des golds pour speedrun un Liandry. Et en gros, on se base sur les skirmish. Alors, l'ennemi des Koi, est-ce que c'est le League of Legends brutal, celui sur lequel on est forgé en solo queue? C'est une bonne théorie en vrai. N'a-t-il pas toujours été cet ennemi du côté des Koi? On a vu que les G2 avaient perdu face au Rogue à l'époque lorsque justement fermer le jeu était devenu très efficace grâce aux enchanteurs. Les enchanteurs sont un petit peu moins forts. On commence à vraiment bien comprendre aussi le playstyle des Koi maintenant. Et du coup, les G2 sont encore plus brutaux. Ça clique encore mieux et ça laisse encore moins de place au Koi pour trouver des solutions. Est-ce qu'on peut véritablement envisager de fermer le jeu face à une draft qui a autant de capacité de plongeon? C'est surtout ça la question. Est-ce qu'il y a vraiment un pattern de draft qui empêcherait les G2 de jouer comme des sauvages? Et même, on pourrait même inclure là-dedans les BDS quelque part, finalement, Glopo. Ouais, vrai, ouais. Ça se ressemble un petit peu, c'est dans la même lignée en quelque sorte, même si G2 pousse un petit peu la discipline à l'extrême. Ouais, alors après, quand tu regardes la draft Koi, le truc, c'est qu'ils ont de quoi plonger aussi. Hein. Quand t'as Sejuani, Sylas, Leona, et même Jace dans une moindre mesure, même s'il peut un peu plus jouer la range,
Tu te dis qu'ils ont de quoi répondre, mais j'ai l'impression que... Pas avec ce Gragas. C'est beaucoup plus la zone de confort des G2 de jouer ça. Clairement, triple embrasement, ça m'a mis très bien. Et surtout, la game de Yike, oui. ça ferme les débats directs. Alors, on a pu vraiment profiter de la science... De la science de jungle. Alors d'un côté au niveau de Yag, bien sûr, du côté offensif, de l'autre côté pour Malrang, du côté défensif, parce qu'il était, il en a éteint des incendies Malrang. Alors certains malheureusement se sont propagés malgré tout, notamment autour du topside, même si on a eu un Zygranda quand même dans un état beaucoup plus encourageant que ce que la game laissait prévoir après ses premières interactions sur le topside. Ah, on se souvient, c'était Glopo qui l'avait évoqué du côté du casting desk, c'est que les covers, voilà, il a cover topside abandonnant tout son cadran de jungle bot. Il savait que la situation allait être compliquée. Zygranda a du call pour son crash. Malheureusement, dans le 2v2, t'as un Panthéon Ignite et un Gragas qui est en train de full burst, et du coup bah forcément c'est terminé. Heureusement, derrière, Jace récupère quelques kills. Il y a eu du Riffify à la mid lane qui a changé un petit peu quelques petits trucs, plus le shutdown qui a été récupéré un peu plus tard par Zygranda. Cependant, bah, encore une fois, s'il n'y avait pas eu ce call Baron Ashor, c'était quand même un straight tout droit du côté des G2 qui avaient tout simplement mieux cliqué overall. Le truc, c'est que Malrang est intervenu principalement sur une lane. Elle a fait des dégâts, elle a été pas mal représentée. Qu'en est-il des autres? C'est quasiment le zéro absolu. Alors, on va faire monter les stats de Yike, visiblement. Hein. Petite game de Gragas, pas loin des 1000 dégâts par minute. 1000, c'est n'importe quoi. 1000 DPM. Les mid laners ne font pas ça dans 90% de leur game. Il finit top damage. Il finit top damage de la game alors que c'est un Gragas Yasuo, donc normalement il a un rôle entre guillemets de setupper, mais il finit top damage. Il mettait à chaque fois des bums sur minimum 2 joueurs. Et je ne sais pas s'il est capable de mettre un coup de bidon sur une seule personne. Non, mais c'est... Physiquement, il a pas l'air d'en c'est être pas capable. Possible. C'est pas possible. Cette performance de Gragas était tout simplement grandiose. C'était de l'art. Et de l'autre côté, eh bien, à quel point bien, Larsen, Comp ont-ils été invisibles dans ce match? Est-ce que c'était jouable de votre point de vue? Comp surtout. Ben, en vrai, parce que le truc, c'est que Malrang, certes, il a beaucoup cover top, mais mine de rien, il a beaucoup cover mid aussi. Il était pas mal au rendez-vous. Il y a eu beaucoup de 2v2, 3v2, 3v3 sur la mid lane qui ont quasiment tous été remportés par G2. Et donc, quelque part, Larsen, il a eu des fenêtres pour s'exprimer, mais Comp, c'était... Il était muselé, il était enfermé dans une pièce, dans une cave, et il avait rien le droit de faire. Ouais. Il était bloqué. Une Zeri qui, normalement, on lui fide des ressources. Là, on avait quasiment un demi-item de retard. Alors, de l'autre côté, on a eu le Varus de Ansama qui a cosplayé un top laner. On aurait peut-être pu attendre une Zeri aussi solo lane, quelque part. Bon, même si, bon, Varus porte forcément mieux un petit peu cette pression-là. Et puis, bon, le Varus, il n'a pas un panthéon. Il n'a pas regardé vers le ciel en mode qu'est-ce qui va m'arriver et qu'est-ce qui va me tomber dessus. Donc, est-ce qu'on tient des conclusions sur le BO pour conclure un petit peu notre débrief? On n'a pas le choix du side. Ah si, on l'a. Blue pour Koi. Est-ce que ça change la donne et est-ce que les G2 vont repartir en mode cinglé, tout simplement? En fait, t'as l'impression que lorsque G2 draft, et c'est quelque chose qu'on avait déjà vu un petit peu plus tôt, rien que déjà du Winter Split, c'est que Koi n'a pas de solution. Ils ont leur solution à eux, ils jouent confort, certes, mais jouer confort face à G2 qui draft, alors peut-être un peu n'importe comment, mais ça leur réussit, et bah ça devient très compliqué à jouer. N'importe comment, mais pour les non-initiés, et nous sommes toutes et tous des noobs, tout simplement. On a des choses à apprendre et on va continuer d'apprendre peut-être avec la partie suivante. G2 contre Koi, game numéro 2, balle de match bien sûr pour les samouraïs. C'est tout de suite sur OTP. Et mesdames et messieurs, il est temps de voir de quoi sont capables les Koi avec ce blue side. Et après, une petite giflette gentiment infligée par les G2 eSports ici, bien sûr qui rigolent encore de leur plan démoniaque. Et bon, une réponse est nécessaire, une réponse... Alors, placée sous quel signe, c'est un petit peu la grande question. Est-ce qu'on va répondre à la sauvagerie par la sauvagerie, tout simplement? Où est-ce qu'on va trouver finalement un style de jeu civilisé qui leur permettra de prendre le dessus sur ces joueurs de Cro-Magnon? Bah, c'est la plus grosse question, c'est en sont-ils capables? Est-ce qu'ils ont des solutions en draft pour empêcher les G2 de leur foncer dedans? Bah, des trucs passent partout en fait, c'est-à-dire le Gragas quadruple flex par exemple, c'est une bonne base certainement pour commencer les débats. Et bon, tout cela adapté bien sûr à ce qui plaît au Koi.
Les Koi, on sait déjà ce qui leur plaît en réalité, ils en abusent beaucoup. Et maintenant que Azir ne fait plus partie de l'équation, il est vrai qu'il est temps, de se rafraîchir pour nos chers représentants espagnols. Et Zigenda, oh la clim dans le public, la vache. Il y a eu un qui s'est lancé tout seul. C'est retombé, je pense, à quelqu'un. Il a été foudroyé par le flop. Ça me rappelle les vieux flops que tu voyais en amphi de médecine lorsque quelqu'un lançait un cri et qu'il était suivi par personne. Ouais, pareil, quoi. Bah, ma deuxième année de médecine, il m'est arrivé ça. À vous aussi, hein, dans le chat, certainement. Tous des médecins ici. Médecin challenger. Médecin challenger. C'est une belle description Twitter. Magnifique. Allez, les Koi, on a beau être Blue Side. Le Draven est toujours supprimé. On respecte, effectivement. Je me demande si laisser le Red Side à G2, c'est peut-être même pas un plus gros danger. Parce que du coup, tu as un flex pick jusqu'au bout et un blind, enfin un counter en 5. Je pense à ce niveau. Après, je fais des plans sur la comète, hein, bien sûr, j'en sais rien, mais je pense qu'à ce niveau-là, c'est plus une question de choisir le side qui te convient le mieux à toi. Ouais. Et pas vraiment à tes adversaires, on s'en fout en réalité. Il faut arriver à sortir ton jeu à toi qui te plaît et sur lequel t'es confort. Et visiblement, on aime vraiment pas beaucoup Malphite aujourd'hui. Hein. Ouais, Malphite qui est fort, c'est sûr, mais j'imaginais qu'on aurait pu avoir des réponses. Le Kennen, par exemple, aurait pu en être une. Ouais, ça c'est de l'open Jace, a priori, un bad Malphite aussi précipité. Ça veut certainement dire Arcane. Vous connaissez Arcane? Jace de Arcane. Gragas Vi. Après, Open Vi s'est donné une free Xayah, donc Jace de Arcane, c'est très bien. Puis il a fait une bonne game, hein, honnêtement. Non, c'est sûr. Malgré la petite glissade avec ce 2v2 topside qui a été remporté par Broken Blade et Yike, on a quand même réussi à bien se débrouiller pour Zigenda ou Larson, si on flexe ce Jace. J'y crois moyen, mais envisageons-le. Zigenda est plutôt efficace sur le champion, je dois dire. Le Graggy Boy, bien sûr, ça va tout droit dans les plans machiavéliques des G2. Et Varus de nouveau. Les G2 qui repartent pour l'instant sur la même formule. On veut pas de Xayah, on veut pas de la réception, on veut de la proactivité. Ce que je soutiens fortement, bien sûr. Allez, est-ce qu'on passe à l'attaque pour les Koi? Franchement, si on a passé 2 semaines à travailler Zeri Jace et que le jour J, on se dit « ça marche pas après une game », c'est chiant. Oui. Donc continuez les gars, continuez, c'est le fruit de votre travail, bien sûr. Après, peut-être faire 2-3 réglages histoire de faire en sorte que Zeri joue le match. Tu veux dire qu'elle ne soit pas en 1-1 à 25 minutes de jeu? C'est un peu le principe, ou que la map ne soit pas en 0-1000 aussi. Hein. Ça peut être dans les deux sens, hein, mine vrai, de rien. C'est vrai. On peut voir les deux côtés. Ne jetons pas la pierre à Comp. Il a fait ce qu'il a pu. Clairement, c'est-à-dire piou-piou sur des minions et après, bah mince, je me fais one-shot par tout le monde. On peut partir sur exactement la même draft. Alors, on a changé l'ordre, on a changé les sides, mais en soi et en ça, Yasuo Comp... envisageable ici. Envisageable. Elle sera pas dispo si on prend pas Yasuo maintenant. Ça paraît certain. Sans doute. Après, on aimerait peut-être avoir de nouveau le Panthéon pour aller gêner ce Jace. Mais ça sera finalement le Nautilus de Mikix ici. Très bien. Change de registre. Hein. Pas du tout la même. Mikix, la game qui claque, c'est. Avec son donger là. À un moment, il a mis une Samba au niveau de la mid lane. Ce. Sur le Jace de Zigenda, il met la stopwatch sur la boulette, il flash derrière. Ce joueur est dans une forme. Mamacita, vraiment, c'est grandiose. Bon, alors les Koi, il y a un ban qui doit être Yasuo. À moins qu'on accepte le Yasuo, c'est possible aussi. Après, vu ce qui vient de se passer, j'en doute un petit peu. Écoutez, et puis surtout, quand même, pour les Koi. On prend la jungle en deuxième rota. Et ça arrive pas si souvent. C'est clair. Parce que là, il n'y a pas de Sejuani, il n'y a pas de Jarvan, hein, logiquement. Ah, Sej paraît effectivement téléguidé. Remarque, il y a Vi, hein, toujours. Probablement pas de Sylas si on banne Sejuani. Ah, bah non, ça c'est sûr. Hein. Pas de Sejuani, pas de Sylas. Ça c'est dans l'ADN des Koi. Plutôt la Vi qui sera privilégiée. Réintroduction Sejuani. Bah ouais. Alors, pas de Yas. Est-ce que le Pant mérite son ban? On va le découvrir. On réfléchit côté Koi.
Était-ce à ce point une menace avec un Ignite? C'est sûr que le Jace ne passera pas forcément un bon moment. Surtout dans le match-up, dans les patterns de trade entre les deux top laners. Oui. Le truc, tu lèves l'égide et Jace peut pas te trade back. Ça a un petit côté frustrant, mais bon. Zygonda a tenu la cadence quand même niveau farming. Popster, j'y crois moyen. Bon, on va juste attendre qu'il lock un champion parce que. Ouais, bon. Ou alors, le Nautilus Mid en Leyenda. Ah, Nautilus Mid, c'est envisageable en vrai. Hein. C'est possible. Mais bon, tu viens de gagner une game dans certaines conditions. Bon, t'auras pas tout le monde, mais. D'ailleurs, ça peut être un Gragas Mid. Il y a tellement de versions possibles. Nautilus Mid, Panthéon support. Tout à fait, c'est possible. Enfin, après, dans Lulu, j'y crois pas. Trop, mais... Le Nautilus peut être mid, le Gragas peut être mid. Panthéon peut être mid. Nautilus peut être top. Vraiment, il faut savoir se faire plaisir. Et Lee Sin de Malrang. C'est pas une game de Lee Sin facile, Malrang. C'est pas une game facile hein, pour un moine aveugle. Gragas CC, Nautilus, Panthéon. Il y a un CC par joueur. Minimum. Oui, il va falloir se lever de bonheur pour trouver un kick. Clairement, il va se faire allumer et... Ah, t'as pas envie de go Mercure, hein, certainement pas dans ces conditions-là. Donc tu vas te prendre le full tarif. Ah. Blind pick Lissandra. Alors est-ce qu'on est sûr de connaître déjà le pick de Caps? Autrement, blind pick une Lissandra, c'est pas loin d'être criminel. Et peut-être que justement on va en payer le prix du côté de Larsen. On montre cette Zoé pour Caps. Si on est sûr, c'est masterclass. Si on n'est pas sûr, c'est gros risque. Oh, qu'à santé finalement. Qu'à santé mid ou top? Qu'à santé mid. Qu'à santé mid, Gragas jungle, Panthéon top. Comme ça, le jungler AP est entre les deux peut au moins déverser sur toute la map. Ouais, ça me semble cohérent. Ça me semble cohérent. Et qu'à santé dans Lissandra. Alors, pas forcément le match rêvé, je pense, pour un qu'à santé. Mais après. C'est toujours pareil. Après, il est immortel. C'est ça, il se fait pas tuer, il ne meurt pas dans le 1v1, dans le 2v2 mid jungle, c'est fine aussi. Parce que c'est un pick qu'on voit beaucoup enfin beaucoup, tout est relatif. Hein. On le voit. On voit beaucoup être piloté par Faker et Chovy, hein, tout simplement. Et ça marche. Enfin, ça a déjà été joué dans Lissandra, ça a déjà été joué dans Harry, et c'est généralement des match-ups comme ça, avec des mages qui ont pas tant de patates que ça, où il est le plus confort. Bah, il meurt pas, il joue comme un gaillot, donc il échange des points de vie contre la priorité. Ouais. Et derrière, il joue avec le jungler pour créer des moves. Il a une immunité au CC également qui est assez dérangeante pour des personnages qui en sont dépendants. Harry et son bisou, oui. Lissandra et... Bah, à partir du moment où Lissandra réactive sa griffe, en réalité, tu sais très bien que tu vas te prendre une rafale qui ouais. Et à qui on sait pas. Et on y va, mesdames et messieurs, game numéro 2 en Europe. Dylan, thank you for joining me. It was a similar approach to the comp, but I'm wondering, are you going to have a different approach to the game? I think we're still playing, Pantheon Gragas in this game. We can be very aggressive. We can make a lot of plays. Pantheon is global, and Gragas has a lot of burst damage. So it's a bit different, but it's a similar game. And what did you think of the draft from the side of Koi? We prepared a lot against, for example, Jace picks. So I think that we were very prepared coming to this. I think that I'm liking the mid matchup as well. But they do have scaling, right? In these sorts of games, they can scale very well. So how fast do you need to close this game out? I guess it depends. Maybe like 20, 25, 30 minutes should be fine. All right. Well, maybe I'll be speaking to you in 30 minutes then. Thank you very much, Dylan. We're going to head to Dracos and Kaydor to cast this game. Dylan Falco, Dylan qui nous dit que bon, les conditions sont similaires, etc. Ils sont beaucoup préparés contre le Jace Peak, mais on doit terminer cette game en 20, 25, 30 minutes. D'accord. Mais si le coffre est verrouillé côté Koi. Ça pourrait aller chercher plus loin. Absolument, et pour le coup, bah, ça évoquait un peu le scaling, et pour le coup, cette fois-ci, étant donné qu'on est parti sur un Varus létalité, le scaling, eh bien, c'est Zeri Jace qui l'ont entre leurs mains. Oh que oui.
Et on a surtout une Lulu. Et ça change beaucoup de choses, mesdames et messieurs. On a une Lulu et on a deux plaques d'os et un Guardian qui viennent de sauter sur une volée de flèches. et ça, c'est grand. Ça, c'est très très grand pour Hans Mama, starter topside pour les deux junglers. Absolument. Et on va enchaîner vers le botside. Pas d'invade à venir pour l'instant. Et en termes de prio, alors, on voit un petit peu que ça se tense au niveau de cette botlane. On a vu que dans le match-up 1v1, Broken Blade avait largement la main. Est-ce que Yak va de nouveau agir en tant qu'élément perturbateur pour enfoncer le match-up topside ou le Panthéon a de nouveau un Ignite? Ah oui, je pense que c'est clairement là qu'on va intervenir. Après, j'avoue que la question botlane se pose. Mais une botlane sans un midlaner disponible, ah, t'as pas envie non plus de commit dessus. Parce que là, c'est clairement la terre de Larsen. Si les deux midlaners interviennent, en tout cas botside, je préfère avoir une Lissandra de mon côté qu'un Kassanté, hein, honnêtement. Oui, très largement. Lissandra est vraiment un des meilleurs picks facilitateurs pour ce genre d'escarmouche. C'est tôt, c'est extrêmement tôt. Et bah, on est en avance pour Yike, on attend patiemment que ça crache, hein, pour le coup. Et Zygendar, et on va être wardé. Bien joué, la Zig. Mais est-ce ça cancelle le move? Bah, avoir l'info ne veut pas dire qu'on peut se protéger malgré tout. Et donc, qui initie ici? C'est plutôt à Broken Blade, j'imagine. Et non, on va laisser l'initiation. Aïe, avec le coup de marteau a déjà été placé. Oh, superbe travail de la part de Zygonda. Il s'en sort à merveille, le top laner des Koi. J'ai pas tout vu, la tourelle est grosse, la tourelle est volumineuse. C'est très délicat de savoir ce qui se passe. Et elle a permis du coup de sauver le top laner des Koi ici. Et du coup, de lui permettre d'assurer le clear de la wave. Vous avez vu Malran qui a fait un petit décalage vers le topside pour essayer de reprendre un petit peu les miettes de ce play. Mais finalement, tranquillisé, va pouvoir continuer sur son clear, tout simplement. Ouais, hein, double trade de flash, écoutez. Franchement, ce qui concerne Zygonda, on est plutôt heureux, je pense, de ce qui vient de se passer. Au niveau de Malran, alors on est le plus heureux des junglers du monde. On n'est même pas intervenu et la situation s'est désamorcée toute seule. On a de l'avance. Ce premier bac Dark Seal pour Yike. Ouais. Traiton qui nous dit dans le chat qu'apparemment Yike aurait eu un creep et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu le burst nécessaire. Le truc c'est que je me souviens pas lui avoir demandé. C'est vrai qu'on lui a pas demandé. Et je. Par contre, j'aimerais bien savoir s'il a pas des solo queue à perdre. Mais j'ai pas vu le E, j'ai cru que c'était le E de Zygonda, très honnêtement. Mais j'ai envie de dire, sans être vulgaire, où est le replay, bordel? Ah oui, le replay, effectivement. Mais vu qu'il n'y a pas de kill, semble-t-il que la prod du LEC ne considère pas cela comme important. Effectivement. C'est pas grave, c'est anecdotique. Même si cette action passe, je pense que... Non, c'est pas de conclusion trop hâtive. Zygonda aurait TP, ça aurait été tout à fait Gucci. Revenons à nos moutons. Oh, dommage. Pour cet abordage, qui X un petit peu gourmand. Très bien, monsieur, très bien. Mais la priorité est tout de même pour Antmama et Mikix au niveau de cette botlane. Est-ce qu'on peut envisager un fast Drake pour les G2? Pour l'instant, ça semble pas trop être le cas. Yak est de nouveau topside, hein. Il veut hug du côté de Broken Blade. La Scuttle War. Cette barre de PV de comp qui descend lentement, mais descend malgré tout. Premier cassanté trade. Alors, ce genre de situation post-niveau 6, c'est Larsen qui est mort. Parce que l'avantage de Kassanté mid, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est que tous les murs donnent des ultimates de fou furieux. Attention, versus entre les deux junglers. Réactiver l'onde sonore dans un Gragas, on a vu meilleur plan. Mais Malrang a un red buff malgré tout, donc il a des raisons de ne pas baisser les yeux. L'autre raison par contre qui permet à Yike de prendre ce scuttle, c'est que Caps avait le first move. Larsen est un petit peu coincé sous sa tour pour l'instant. Et passage niveau 6 pour le Kassanté. 6 minutes de jeu, pas un mort, pas un gank. Enfin si, il y a eu un gank en topside, mais pas de mort. Pas de mort. Ce qui, j'imagine, est une bonne nouvelle pour Koi. Ouais, je pense que c'est une bonne nouvelle pour Koi. Bah, on parlait de leur scaling et s'ils arrivent à maintenir une situation de statu quo, il fallait forcément qu'on la curse. Bien évidemment, Trimby, le flash in de Hans Mama et le qui sera récupéré par l'Ignite de Mikix. Le flash in, le flash out de comp bien réactivé. Ah, désolé Trimby, vraiment désolé, désolé Ibai. Ouais, vraiment désolé. C'est très grave. Hein. C'était involontaire, hein. Vraiment, je ne me réjouis pas. Police ici. Caps qui danse et qui va se faire intercepter, doublement intercepter. Tombeau de glace, une tour intervention de Lee Sin, c'est ce qui attend le mid laner des G2 qui n'a
pas de porte. Oh, il a une porte de sortie, pardon. Pardon, monsieur Caps. Et l'escorte de Yaik. Et la salade. De la salade bien verte. Ce qui ne suffira pas, bien sûr. Et bien évidemment, le passif de Lissandra qui, dans ce genre d'escarmouche, est un peu plus satisfaisant. Le flash ne sera pas utilisé par le jungler DJ2. Double kill pour Malrang et son Lee Sin. Malrang diff. Comme d'hab. Comme d'hab. Comme le dit si bien Yaik. Malrang qui marche. Qui marche, pardon. Qui marche. Qui marche sur Mars. C'est probablement. En tout cas, Malrang qui fonctionne. C'est un Koi qui peut jouer. Enfin, c'est le cœur de l'équipe, juste. Il n'y a pas de discussion à avoir. Putain, j'y ai cru, la vache. Eh, c'était pas si loin. Oh, et le coup de bidon, là. Je pense Malrang, il a pas ce kill. Il se lève et il met une patate à Larsen. Ah, dommage, hein. Yaik, il se pensait assez gras. Il y a un monde où il n'y a même pas besoin de prendre la salade et il remonte sur la corniche aussi. Hein. Ouais. Il y a des petites choses. Après, peut-être que Larsen refermait la porte avec un flash. Bref, toujours est-il que Malrang prend ce doublé. Et un Lee Sin qui, on le disait, était difficile à manœuvrer dans cette game, mais qui se met bien. Et qui peut entamer un snowball. Un 2-0, ça va forcément être douloureux à tanker pour les G2. On aura peut-être droit au Lee Sin playmaker, et non pas play désamorceur de Malrang. J'en suis ravi. Ravi, ravi. Malrang, de nouveau au rendez-vous. On aide Salissandra à crash et on s'avance vers un dragon peut-être que les G2 ont déjà commencé. Fort de leur bot lane. Absolument. Mais là, on a un comp qui slide directement en melee range, débordant de confiance. Et à raison, flash in de la part de Larsen, tombeau de glace imposé ici sur Mickey. On plonge loin pour les Koi. Quelle est la réponse des G2? G2, Yaik et Splinter Cell ici dans ce petit bush, mais il ne pourra pas trouver d'opportunité, il est toujours niveau 5 malheureusement. Yaik et un coup de bidon sans ultimate a tout de suite moins d'impact. Cancel back. Je suis assez étonné que ça vienne pas récupérer le dragon. Mais... ils avaient peut-être peur du niveau 6 d'un Gragas qui allait arriver. Antmama il avait aussi son ultimate avec Varus. Je veux pas être en retard pour le héros de la fin. Enfin, il y a plein de théories en réalité. Je me demande c'est laquelle qui prime. Alors, on balance tout sur Larsen et on a le potentiel de kill ici pour Caps avec l'onde de choc. Il faut bien la timer. Elle est parfaitement timée. Ce n'est pas n'importe qui. C'est Caps, mesdames et messieurs. Et solo bolo pour Caps ici qui avait bien évidemment timé l'absence de l'ultimate de cette Lissandra. Et on arrive à parfaitement gérer ce 1v1 malgré cette stopwatch calculée à la perfection ici. Est-ce qu'on est en situation pour trouver un dive? Caps qui va se faire menacer par Malrang. Et Malrang qui a un kick, qui a tout ce qu'il faut pour One Burst ce midlaner. Bah, il est finito Caps, tout ce qu'il peut faire c'est gagner du temps. Il n'y a pas de backup, ulti Panthéon c'est beaucoup trop loin. La plante explosive éventuellement. Oh ouais, non. Bon, pas de miracle. Pendant un moment j'avoue que j'ai douté. Oh attention, la grenade ASM de la part de Mikix. On va essayer de mettre bien sûr. Et on aura le DPS du côté de Larsen. Larsen est là. Attention, Larsen effectivement qui est là pour peut-être sauver le play. Larsen pour la 1v3. Il a pas d'ultimate Larsen mais il a beaucoup de dégâts. Il a également son passif, le flash de Yaik. Et on va pouvoir s'échapper peut-être. Une dernière griffe, non c'est long. Il reste 10 secondes avant le E de Larsen et on permettra. On pourra s'échapper pardon pour les G2. Ouais, un succès pour G2, mais les Koi qui sont vraiment pas très loin. Je pense au niveau de cette action. Oh non. Le maître du fog of war. Et voilà, on considère ce trade kill, on considère le héros de la faille. On doit plus ou moins rentrer dans le budget, je pense. Bah, je pense que oui, hein, parce que 2 kills contre 1. Ça doit être close en tout cas. Je pense. Plus héros de la faille. Ah, il faut jouer le Herald, c'est sûr. Mais au niveau du bot, je pense que si tu remets justement comp un petit peu à flot avec le Herald, c'est game. Hein. En tout cas, tous les œufs dans le panier de comp, parce que Zigonda, depuis qu'on a réussi à désamorcer ce dive top, bah Zigonda il a besoin de personne en réalité. Ouais. Regardez ça. Il a besoin d'absolument personne. Et ici du tout qui veut accélérer bien sûr. Il y avait le choix de jouer le play safe. C'est-à-dire que tu denies juste les waves 1, 2 et 3, tu prends des plaques. Mais on veut aller plus vite, on veut aller plus fort. Le tonneau de Yaik était magnifique aussi.
Dans la façon, Larsen est bonne. Très généreux avec ses coéquipiers, le mid laner des Koi. Et si Larsen avait eu son ultimate sur ce play? Ah oui, là c'était carnage. C'était un carnage, il pouvait rien faire. Alors, me dis pas qu'ils arrivent à le camp. C'est énorme, bien sûr, on aura les placasses, on a évité ce grab de justesse pour comp. Et le duel des top laners suit son cours. Bot side cette fois-ci, avec toujours un Zygonda qui tient vraiment la lane très très haute. Ça bosse bien pour Zygonda, mais ça bosse bien également du côté de Caps. Le tombeau de glace sur le mid laner G2 qui va permettre de prendre le kill. Mais non. De la part de Comp qui va juste slider et aller faire tomber Caps ici et son castanté. Par contre, de l'autre côté de la carte, c'est Caps qui s'en met plein les poches. Tout simplement, une nouvelle plaque pour le Varus. C'est un peu nimp le mid laner des G2, non? Ah, il s'est senti pousser des ailes après son 1v1 et il s'est dit ok frérot. Je trouve qu'il joue haut quand même. Après c'est peut-être comme ça qu'on est censé jouer la cassante. Alors, pourquoi pas, mais peut-être qu'avec un petit peu plus d'appui c'est plus facile. Sûrement. Après on va voir hein, bien sûr un cassanté, je pense pas que ce soit un personnage qui tombe en disgrâce s'il fait un mauvais early. Mais il y a de bonnes raisons d'être inquiet pour les G2, très franchement. Alors après, l'Azerin est très très loin d'être activé, le Jace aussi, mais par la simple accession aux farms, je trouve quand même qu'ils sont pas mal les Koi là. Bah, ils sont bien, on a un Lee Sin qui est vraiment en avance, qui a son item mythique, qui... On est loin d'un break, c'est certain, mais je les trouve dans une position assez confortable. En plus, et c'est le point à noter je pense, parce qu'on est à 13 minutes de jeu et toujours aucun dragon de toucher. Pour une équipe qui aimerait snowball comme G2. C'est vrai. C'est pas terrible, terrible. Généralement on aime bien snowball au Drake, surtout avec un Varus Leta qu'on peut bien faire fructifier sur ce genre de terrain. Bon là j'ai l'impression qu'on prend la forme de mid game au niveau des positionnements de lane. Et une dernière placasse à 10 secondes de la chute pour Zygonda. Mais Zygonda est... C'est un molosse cette game, il est monstrueux. Ah, il en a farmé du Bitcoin avec son first strike. Et il les récupère en plus de ça la première tour du match. Zygonda est le roi du pétrole, quasiment 2k gold d'avance dans son 1v. Huge. Je pense que la différence de gold entre Nautilus et Lulu, on s'en moque un petit peu. Mm-hmm. Donc en soi, il y a juste un Varus létalité qui est devant une Zeris qui est... complètement normal en réalité. Bon, les G2 quand même se mettent un petit dragon de côté. Les premiers Drake à 14 minutes. La soul est loin. Ça fait pas peur au Koi du coup. Hein. On parlait de ce potentiel scaling de leur part. Un team fighting efficace avec Lissandra. Zeri, Lulu, Jace. Bah, j'avoue, bonne chance pour dive la Zeri. Alors après. Ça fait partie de la personnalité de Comp, mais Comp est un joueur qui clique très très fort vers l'avant. Du coup, donc. Il n'y aura peut-être pas besoin de le dive, Comp. Si ouais. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, je veux pas dire qu'il va int ou quoi, mais juste que s'il y a un bon teamfight qui se présente, Comp sera pas le plus timide pour passer à l'offensive. Donc, c'est peut-être à ce moment-là que les G2 pourront envisager de le choper. En tout cas, s'ils doivent plonger dans la backline adverse, je pense que c'est une mission plus ou moins suicide. Le banger. Oh, il y a le banger. Il n'est pas vu et du coup on va pouvoir essayer de tout mettre sur Zygonda. Est-ce qu'on peut prendre le kill? On arrive à temporiser. Malheureusement cette fois-ci l'ultimate de Yak n'est pas tout à fait bien ajusté. Il va même sauver la fille de Zygonda. Zygonda a encore son flash. Oui. Il a encore son flash, le top laner des Koi. C'est tout à fait inexplicable. Un résultat on ne peut plus décevant pour les squads G2 qui pourtant... avait flairé un très très bon filon là. Mm-hmm. Le fait que le check à la boulette ne passe pas dans le tribush occupé par Yike était quasiment synonyme de kill. Et il s'en sort sans consommer son flash. Je très étonné. Juste BJ. Belle protection de Larsen également hein, qui sent le coup venir, est au décalage, pose sa Nova de glace et puis s'en va tout simplement. Fait qu'il est même pas réattaquable dans l'immédiat, ce qui aurait été plus ou moins satisfaisant je pense.
Là, il a juste un boulevard Panthéon sans flash. Il va certainement pas s'approcher de ce Jace. Ouais. Et ça va peut-être poser quelques problèmes autour du prochain héros de la faille qui, vous le voyez, est en vie dans la faille de l'invocateur. Alors, pour l'instant, étant donné que Ansama est en train de dicter un peu la loi autour de la mid lane, on a encore une position qui est convenable en termes de vision. Mais Malrang se sait plus fort. Il se sait plus fort grâce à son top laner et il peut s'avancer donc sur l'objectif. Absolument. Parlant de force d'ailleurs, Sigonda peut avoir un shutdown ou... On l'attend toujours. Je sais pas, hein, ou c'est que pour... C'est que pour les autres. C'est que pour Lee Sin 3-0. Ouais, mais c'est... On s'en sort bien hein, chez les Koi hein, quand même. le no shutdown les met pas mal, hein, je pense. J'avoue, mais c'est... Enfin, ce Jace devrait avoir 4 shutdowns sur lui. Hein. Je ne comprends pas. On a vu qu'au Total Gold, il était un petit peu devant Ansama, mais il est quand même largement devant son vis-à-vis. Donc, si on considère juste cette donnée-là, normalement, il n'y a pas trop d'hésitation à avoir. Bah, clairement, pour moi, c'est le joueur le plus menaçant de la game. Et pour l'instant, c'est Malrang, hein, bien sûr, qui a le jackpot tatoué sur le front. Larsen, Malrang, Malrang, Larsen versus Caps. Oh, Caps ici, en mode face check. Il est niveau 9, hein, Malrang. C'est vrai que... C'est quand même ballot de laisser le bonus de gold sur un champion niveau 9. Oh, attention, Ansama, Ansama. L'ulti de comp qui c'est est... C'est un malade comp. Il va se... Enfin, vraiment... Je pense qu'il y a un réel plan côté G2 où t'es juste... Juste agite un truc devant lui et attends qu'il perde patience. Ce joueur est un fou furieux. Pour le meilleur et pour le pire, hein, bien sûr. Il nous donne beaucoup de spectacles. C'est sûr. Il y en a d'autres, des joueurs de ce genre-là, hein. On pense à Jackie Love. Attention, Mikix ici, l'engage sur Malrang, le flash qui est forcé tout de même, et la chaîne corruptrice qui est passée dans le vent pour Ansama. Ah, ça compense un peu l'ulti Zeri qui est down, j'imagine. Donc, il en sort, on peut continuer à pousser malgré tout. Le dragon dans 40 secondes, on devrait avoir tout récupéré des deux côtés, à moins que je sous-estime le cooldown de Nautilus. Je pense que Nautilus n'aura pas encore le temps. Ouais, Nautilus aura probablement pas encore, t'as raison. Par contre, côté Koi, on a toujours ce player de la paille, hein, effectivement. On va le poser là. Et en plus de ça, on va pouvoir forcer le recul de Broken Blade. Après, bon, il a un ultimate, donc c'est un peu moins intéressant, mais il va le pousser bien loin sous T2, avoir de la place pour jouer le dragon. Enfin, vraiment, que Comp s'avance comme ça, ça me terrifie. Hein. Il a pas de vision dans cette top jungle. Pas de vision, son support était un petit peu loin juste avant. Mais ça fonctionne. Et parfois, montrer une position confiante, ça crée des idées dans le mental adverse. Et ça permet à ce héros de la fin. Oh là là, il va au bout. Malheureusement, la livraison de Gragas a été saboté par le mur, j'ai l'impression. Un petit peu, effectivement. Et du coup, étant donné qu'on n'arrive pas à prendre ce kidnapping sur Zigenda, les Koi s'avancent, conquérant, fier, fort, dans ce pit du dragon. Et Malrang ne sera pas dérangé. On va normalement essayer plutôt de jouer les tourelles en side du côté des G2. Vous l'avez vu, Kassanté du côté du top. Mais Koi... Les deux, oh la vache. Oh la compé, tout simplement monstrueux. C'est pas du tout la même game, là. Rien à voir avec la game 1, mesdames et messieurs. Il est chargé avec sa Zeri. Et j'avoue que le Panthéon ne me rassure pas trop dans ce match jusqu'à présent. Bah là, pour le coup, je veux pas être pessimiste, mais j'ai peur qu'il n'y ait juste pas de Panthéon de la game. Après, il y a des builds de Panthéon qui scalent bien. Oui, c'est vrai. Notamment des Black Cleaver builds... Courtoisie de Adi, bien sûr, le génie de League of Legends de Corée du Sud. Mm-hmm. C'est le mec qui joue Thresh Top, Taric Top et tout, ouais, ouais. Pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et petits bulles Panthéon de sa confection qui sont assez sympas. Des bulles Panthéon où tu mets deux égides dans un trade. Pas mal. Ouais, c'est niveau counterplay, c'est optique. Après, bon, il avait fait BRK... Je sais pas si c'est le build que je recommanderais ici. Oh, en soi, il y a un Lee Sin dans ce buisson. Malrang, effectivement, qui a été vu par Mikix. Malheureusement, cet abordage n'a pas touché.
et on ne peut pas connecter autre chose. Larsen sur le flanc qui a une griffe royale. Le flash in même pour aller chercher un tombeau de glace. Et on va zoner 3 joueurs. Larsen également. Mikix qui s'empale sous les coups de Compucier. Le kill sera récupéré par Lazeri. Est-ce que Onsama peut faire la différence? Pas du tout. Cette flèche performante ne touchera même pas. Petit kidnapping ici sur le support des G2. Beau gosse Larsen avec cette Lissandra. Mi-setup, mi-scaling avec bâton séculaire. Larsen qui engage au flash et sort avec la griffe. Une approche assez, assez originale, mais qui se prêtait bien à la situation. Et d'ailleurs, sur les lieux du crime, on veut en perpétrer un nouveau, il semblerait. Mais est-ce vraiment raisonnable, hein? On va plutôt reset du côté des différents joueurs Koi. Tandis qu'on revoit encore une fois ce flank de la part de Larsen qui, bah effectivement, est beaucoup plus fulgurant dans ce contexte. C'est-à-dire que le flash in, tombeau de glace, Nova sur 3 joueurs inesquivables, c'est quand même beaucoup plus efficace. Et heureusement, côté G2, que les coins n'étaient peut-être pas assez bien rassemblés ici parce que ça aurait pu être triple kill in tout baron d'achat. Ça c'est bien vrai. C'est vrai que les G2, tant que Ansama est en vie et qu'on a un smite, que Caps et que Bibi tombe ou ne soit pas là, c'est, honnêtement c'est pas si dérangeant. Et le fait que je dise ça, c'est, ça devrait alarmer un petit peu les G2. Les paris qui ne fonctionnent pas. Alors, est-ce que c'est la BRK qui débloque? Écoutez, pas la réponse. On va découvrir ensemble un superbe pied-bouche infligé par Valorant qui avait même, vous l'avez vu, pré-shot le flash de Ansama. C'est pour ça que cette onde sonore est arrivé sur Narnia. Ce baron Asher est engagé. Il y a un smite côté G2. Mais la position pour l'écueil est vraiment excellente. Il y a un ulti Panthéon qui peut arriver incessamment sous peu. Vous voyez, il arrive sur la minimap. Il arrive justement. C'est il parti. Arrive, on avance et on va aller chercher peut-être le 5v4 du côté d'écueil qui semble-t-il est déjà gagnant. Quoi, c'est vivant. Combe qui est obligé de s'échapper effectivement. Étant donné qu'il est encore en vie, c'est une fin de teamfight du côté des G2. Le baron d'achat en plus de ça a été récupéré par Malrang. C'est carton plein pour l'écueil qui font un ace ici. Et pas n'importe quel ace. Un clean ace. Clean ace. Ils ont perdu personne. Ansama a juste ressuscité trop vite, on est d'accord? Oui. Il a ressuscité juste après. Oui, parce qu'il s'est pris le pied-bouche, bien sûr. C'est ça. Je sais pas ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Ansama qui va s'en reprendra, à moins que Comp aille trop loin. Mais... Et il est parti trop loin. Et c'est exactement ce genre de situation. On ne veut pas chez les Koi. Il avait pas besoin de faire ça, Comp. Il avait pas besoin, jamais de la vie, il a donné un free shutdown à Varus. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de marge de manœuvre. Bien sûr, mais du coup, ça ralentit un baron power play tellement facilement. Non, c'est du gâchis, c'est vraiment du gâchis. Et on va revoir alors ce call baron Ashor qui est très lucide hein, du côté des Koi. Il y a plus d'un de Sama, on va pouvoir tranquillement essayer de gérer l'objectif. Et il y a tout un moment où. Au moment où on a l'apparition de l'ultimate du Panthéon, on arrête complètement DPS Nashor. Il descend plus, hein. Vraiment c'est carré. Et on va chercher le focus sur les bonnes cibles, Comp qui s'échappe, et derrière Yai qui est mort, et derrière on prend le Nash. Et ouais, là les G2 se rendent bien compte que Lulu c'est pas Leona. Ouais. Et que Trimby là il est en pleine zone de confort, que pour traverser Ulti Lulu, Shinbo et Bouclier, il va falloir un petit peu plus qu'une BRK sur Panthéon. Ah, ce shutdown, je pense pas qu'il change vraiment la donne, mais au moins on pourra observer le spike de Ansama à 3 items. Ce qui est imminent maintenant. Un spike à 3 items, mais toujours est-il que pour l'instant, voilà, 7000 gold d'avance côté des Koi. La T2 botlane est tombée déjà tout à l'heure et elle permet du coup d'avoir une vision très large hein, côté jungle bot side. Et bon, c'est pour ça que c'est un petit peu malheureux que. Comp tombe, c'est que cette T2 mid lane aurait déjà dû être de l'histoire ancienne. On aurait pu avancer sur la T2 top et justement protéger un Larsen qui se met focus. Il est pris au dépourvu, mesdames et messieurs. Normalement, il n'y a pas de porte de sortie à moins qu'il trouve une griffe de l'espace. Il temporise au max, mais que font ses coéquipiers? Ils viennent à son secours. Tout ça. La poulette de Azig, mesdames et messieurs, c'est un triple kill pour le top laner des Koi. Oh mama, ce Jace. Oh, quel Jace. Oh là là, mais cette boulette. Merci Larsen, mais quel Jace, la vache. Oh mon dieu, Zigenda qui vient crucifier le collectif G2 ici, qui tentait
de faire son kidnapping. Mais encore une fois, tel les prix qu'il croyait prendre, c'était sans compter l'arrivée d'un Zygenda Salvateur avec son Jace. Et on salue Larsen, bien sûr, rien n'aurait été possible sans lui. Et sans sa temporisation. Il a vraiment offert ça à son top laner. Hein. Oui. Mais wow, cette boulette, elle a décoiffé. Mais t'as vu le temps qu'il faut pour sécher Larsen. Ah, du coup là, hop, prison de glace. J'ai eu le temps de prendre ma retraite deux fois. T'as eu le temps de revoir tes cheveux repousser. Il y avait même une rédemption et il a troll la rédemption. Ouais. Voilà, il est en forme de marteau. Ah, écoutez, c'est bel et bien Jace de Arcane, hein. On l'a reconnu. Jace de Arcane boosté au stéroïde. Et qui vient hein, tout simplement de ratio 3 joueurs. Et tout ça à cause d'un dive qui fail. Hein. Ouais. On rappelle. Ah, c'était plus du tout la même game, effectivement, côté topside. Et donc, cette réponse Panthéon, qu'on envisageait plutôt bonne côté G2, n'est peut-être pas la réponse absolue à laquelle on aurait pu s'attendre. Bah, en fait, c'est pas une réponse Panthéon. C'est une réponse Panthéon-Gragas. Voilà, c'est vraiment la conclusion finale de cette stratégie G2. Sans Gragas, il n'y a pas de Panthéon. Et sans Panthéon, il n'y a pas de Gragas, visiblement. Même si, bon, pour. Notre cher Yaek, il avait un Yasuo sur lequel se reposer c'est dans la game précédente. Là, entre Kassanté, Varus, Létalité, j'avoue que la synergie semble pas hyper naturelle. Et là, la guerre du pot qui va être difficile à gagner hein, contre Zygonda. La guerre du pot, du burst, du teamfight. Les G2 semblent perdants sur tous les tableaux hein, dans cette situation. Et maintenant, la question est de savoir à quelle sauce vont-ils être mangés. Est-ce que les Koi vont de nouveau tenter le Baron Nashor, call safe, ou est-ce qu'un dernier teamfight va juste éclater et leur permettre de décrocher la victoire? De toute façon, on n'a pas l'habitude de mentir à notre audience sur OTP, on vous le dit très clairement. Koi doit griffe cette game pour que G2 come back, je pense. Hein. Non, même pas, je pense, je suis sûr. Bah, il faudrait 5 déco, sans pause. Bah, j'irai pas jusque là, parce que il y a un potentiel de hint quand même. Comp nous l'a oui. Oui, oui, c'est vrai. Mais il a plus de shutdown. Et il nous a fait. Les gars, je suis là en fait. Les gars, je suis là. Non, voilà, il faut faire des bêtises. Il faut faire des bêtises pour les Koi. Mal saucer un Ash. Prendre la vision, il faut pas. Mal anticiper un trap ou whatever. En tout cas, ça part d'une erreur. Clairement, s'ils restent dans cette dynamique là, ils vont remporter cette deuxième game. Tu viens de les maudire là. Ah non mais c'est pas le but. Non, vraiment pas le but. Regarde, Broken Blade est mort, tu vois, je mens pas. Ah c'est vrai, tu mens pas, mais est-ce qu'il baiterait pas pour ses coéquipiers? Non, le Nashor, il est mort, 15 secondes, il y a rien à faire. Il y a pas de Broken Blade sur votre écran actuellement, mesdames et messieurs. Ah, d'ailleurs, il y a pas de flash sur votre écran au passage. Gagne du temps. Il y a pas d'égide. Mais... à quoi bon? Par contre, ça en fait du monde là quand même. Hein. Ouais, du coup, dans 2 secondes, le Baron Nashor est en vie hein. Et il y a 3 joueurs bot side. Boom, c'est fini. Ah, on n'est pas en position quand même pour jouer le Nashor. De toute façon, qui c'est qui va faire le Nash? Varus létalité, c'est vrai. Varus létalité ou Kassanté mid. Gragas jungle. ça me paraît mort ce plan quand ouais, même. Ouais, non, c'est vrai. Impossible. J'aurais même pu envoyer 5 joueurs, les Koi, ils seraient revenus, le Nash serait descendu à 30%. on est à l'aise. On a le temps, on a l'espace, on a aucune raison de forcer les choses. Et Yaek qui se fait déjà poke. 1000 HP autour de ce Baron Nashor. La seule solution est le Smite Steal. On va pas flip ça quand même. Non, les Koi. On peut pas flip ça. Regardez Larsen mid lane. Larsen il a une position pour essayer justement de déranger Yaek. 4000 HP. On va chercher justement Comp qui s'avance. Tout seul pour zoner Yaek. Et normalement on a le DPS pour aller finir ce Nashor. Yaek qui va justement avancer. Le kick immédiatement pour finir le Nashor. C'est bon, c'est smité. Du côté de Malrang, pardon. Pas mal du tout. Les G2 qui s'en sortent raisonnablement bien dans le sens où ils ont encore perdu personne, mais c'était sans compter sur la phase offensive avec Larsen en tête d'affiche et Caps qui va continuer bien sûr son limit testing et un autre triple kill pardon, il a pas fait triplé, je crois qu'il a fait un double kill double pour Zygonda.
Un double kill, mais une fin de partie qui s'annonce du côté des Koi ici. Et Broken Blade qui va se faire chasser hein, avec son Panthéon, qui malheureusement n'aura guère eu l'effet escompté cette fois-ci. Et on va aller chercher les T4. Koi qui s'avance peut-être pour l'égalisation dans ce BO3. Un coup de marteau, Zigenda qui chasse Yaki. Yaki n'a malheureusement plus les armes pour défendre son Nexus. Comp qui s'avance et qui va en plus de ça se permettre d'aller d'offrir de nouveaux kills à ses différents coéquipiers. Un pour Larsen et un pour lui. Et c'est une égalisation un partout pour Koi. Oh, c'était easy, hein, franchement. Ah, merci Monsieur Malrang, franchement, y a rien à dire. Merci Monsieur Malrang, merci Monsieur Ziganda. Je pense les deux principaux instruments juste derrière, vraiment. Juste à côté, il y a un petit Larsen et la botlane, bon, qui a fait sa petite vie tranquille ou pipou. Et en premier lieu, Ziganda, le dive. Alors encaissé int par G2, je sais pas trop. Pas mal l'asset qui montre G2 victory. Sur la prod, c'est très très grave. C'est vraiment très très grave. Mais même quand ils gagnent, ils se font ridiculiser les quoi. C'est vraiment pas cool. Oh, bah, en plus ils voient les gueules. C'est grave. Enfin, c'est très grave. Mais comment dire? Non, mais j'ai pas les mots. Vraiment, je suis trop triste pour les quoi. Bon, ils ont fait une très belle game tout de même. Oui. La Zig très très bonne. Malrang absolument partout. Superbe, superbe Lee Sin. Et la Lissandra de Larsen, généreux avec ses coéquipiers, proactif, un peu partout, il sert des free kills. Après, bon, les deux solo lane G2, moi, ils n'étaient pas dans la game. Il y avait personne, il y avait absolument personne. C'est curieux de voir, mais il finalement... y a peut-être une solo bolo quand même de Caps, j'avoue, j'abuse. Mais... Ouais, mais ça n'a pas forcément fondamentalement changé la game, tu vois. C'est un cassanté, il prend un kill, qu'ils soient en retard ou pas, ça n'a pas changé grand-chose. Ouais, de fou. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très bien passées du côté de G2. On va le débriefer du côté de l'analyse desk, tout simplement, d'ici 1 minute 30, vous le savez, sur OTP. À tout de suite. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, un partout. Et oui, après cette game 1, on se disait que les G2 allaient rouler sur les Koi. Mais non, en réalité, ce n'est pas le cas. Hein. Cette game 2 a été quand même très en faveur des Koi. Avec voilà, quelques recettes reprises de la game 1 du côté des G2, notamment Gragas, Panthéon. Et du côté de Koi, encore une draft très solide hein, avec un teamfight extrêmement complet finalement. Beaucoup de temporisation, un gros scaling. Et Glopo, du coup, de nouveau, ce Panthéon face à Jace. Bon, est-ce qu'on est convaincu? Est-ce que c'est une véritable solution pour gérer Jace d'Arcane? Déjà, je pense qu'on ne peut pas considérer ça comme étant un counter pick à proprement parler. Ça a marché game 1, mais j'ai plus le sentiment que ça a marché en étant un cheese que réellement un counter pick, et surtout comment on a joué autour. Il y avait le matchup jungle aussi qui est entré en ligne de compte. Là, en l'occurrence, ça n'a pas marché. La preuve, Jace a quand même été pick en blue 1 par Koi, donc ça reste très prio. Et Panthéon a été pick en red 4, ce qui signifie que les bans 4-5, on n'a même pas jugé nécessaire de supprimer le pant, donc on ne considère pas ça comme étant gênant. Donc je ne pense pas. Je pense que c'est un cheese qui m'a marché une game. Le sortir une seconde game, c'était peut-être pas la meilleure idée. Et pour revenir enfin sur les drafts, ce que tu as dit, je trouve que la compo Koi, elle n'est pas si simple que ça à jouer en vérité. Elle n'est pas si simple, t'as vraiment pas le droit de tomber derrière, t'as pas réellement de setup évident à mettre en place, mais ils sont parvenus à faire passer le Jace devant, et quand Jace prend le lead, c'est là que Jace peut vraiment, vraiment être efficace, c'est d'autant plus vrai pour Jace, je trouve. Ouais. Le pick Lee Sin, vous en avez beaucoup parlé, Twixou, c'était pas forcément l'angle le plus évident pour jouer, pour faire des gros plays hein, pour Lee Sin dans cette game. Non, en réalité, franchement, on aurait pu envisager plusieurs choses, mais j'imagine, par exemple, avec une Lissandra à la base, tu peux jouer n'importe quoi en fait en jungle AD. On aime beaucoup le Viego, notamment en Asie avec Lissandra. C'était une option. Après, je pense que pour Malrang, on a au moins la flexibilité du gameplay. Toi, c'est pas comme un Viego où t'as juste, tu vas vers l'avant et tu es une machine à reset. Là où Lee Sin, tu peux être offensif, défensif, polyvalent et tout, assez mobile sur la map, etc. Je pense que c'était un très très bon fit. Mais comme disait Glopo, une composition pas facile à exécuter parce que les lanes individuellement sont assez weak. En réalité, côté Koi, Jace a beaucoup de puissance offensive, mais défensivement, c'est naze. Il se prend le mauvais gank au mauvais moment, sa game est ralentie de 10 minutes. Un peu même commentaire pour Zeri Lulu, défensivement, c'est implacable. Mais malgré tout, si tu les dives sur un bon timing, très clairement, tu vas les arracher. Donc, il fallait un mid-jungle qui se rendait disponible, il fallait un mid-jungle généreux. Et le mid-jungle des Koi a très très bien joué, vraiment grand chapeau
le pic Lissandra était exactement, c'était exactement ce dont ils avaient besoin dans cette game. Et Larsen qui nous avait déjà montré un peu de quoi il était capable sur Lissandra, c'était ce split il me semble, hein, et il avait été assez impressionnant. Voilà, Ziganda qui récolte les fruits du travail de son midlaner, tout simplement. Ah ouais, complètement. C'était c'est une sacrée passe D. Attends, mais le coach était tout seul dans... Ouais. Il s'est lancé, hein. Freddy était tout seul, ouais. Mode, il se sauçait lui-même. De fou. De fou. Mais ouais, oui, Lissandra, c'était un pic qui était important, qui a bien fonctionné. Mais est-ce qu'on peut parler de la réponse à ce blind pick Lissandra? Le pick de Cassante et de Caps, qui a trouvé un solo bolo, mais oui. qui pour autant n'a pas impacté la game autant que ce qu'on aurait pu espérer. Mais la vraie question, c'est comment est-ce que tu hard counter une Lissandra? Une Lissandra blind pick. Victor. Toi, scaling. Mage long range, en fait. Mage long range. Victor, Orianna. Tu te fais go in. Bah, tu te fais pas go in si tu rush des Mercure frame 1, tu vois. Bah, c'est comme ça que tu vas aller choisir les trucs. Et si t'exploses la barre de vie de la Lissandra à chaque moment où tu peux aussi. Sans Akamid, boum. Non, ouais. En vrai, mage long range, Victor fonctionne très bien dans l'Iss, etc. Tu vas te faire go in, mais bon, s'il y a un 2v2 qui part, franchement, c'est à ton avantage. Ouais, bon après c'est Lissandra Lee Sin, mais parce que quand même cette Lissandra blind pick, c'est on a cook quelque chose. On a eu une idée du côté des Koi qui a bien fonctionné. Maintenant, on va voir si on reste sur cette même optique pour la game suivante. J'ai tendance à dire même Aurélion Sol, tu vois. Bon après c'est un peu dangereux, moi, j'avoue. Corky, mais tu vois un truc range bien implacable, domination de wave, Corky, pas de lane mais de wave. Voilà. En fait c'est le pari du scaling. Genre un truc chill quoi. C'est le pari du scaling, mais ouais. Du coup tu peux hard jouer par mid jungle du côté de Lissandra. C'est un peu ça le danger. C'est pour ça que pour moi il y a pas un. Cartus mid. Il y a pas un counter thématique en fait. Cartus mid mec. Ouais mais je vois ce que tu veux dire, ouais, mais oui après c'est sûr que de toute façon même on se rappelle hein, les équipes il y avait un moment les équipes LPL notamment elles aimaient bien juste drafter de la Lissandra. Bah, en ce moment on est en plein dedans en ce moment. Ouais mais en ce moment c'est beaucoup en réponse à des Harry ou quoi. Même en blind il y a des Lissandra partout, ça commence un peu plus à être en blind, mais généralement c'était plutôt en réponse à des Harry ou quoi. Donc en vrai c'est pour ça que je pose cette question, parce que j'ai l'impression que Lissandra peut vraiment monter en prio là. Bah le champion est fort c'est sûr, mais il nécessite de la proactivité, et si tu loupes tes play derrière c'est plus difficile. Les G2 sont repassés en blue side pour la game 3. Normal. On va voir un peu si on évolue au niveau de cette idée de Panthéon. Qu'est-ce qu'on fait de ce fameux Jace du côté des G2? On ban Jace, non, en vrai. Peut-être, ou alors ils peuvent aussi le jouer potentiellement. Pourquoi pas, s'ils continuent à drafter des Gragas jungle. Après tout, Gragas Jace sur le papier, c'est tout à fait valable comme combo. Donc, réponse bien sûr après la pause, mesdames et messieurs. La game 3 arrive. Koi contre G2. A tout de suite. Allez, balle de match, mesdames et messieurs, dans cette série opposant les G2 au Koi. Larsen en position aérodynamique de chilling. Et pour cause, sa Lissandra était vraiment nickel. Va-t-il remettre la main dessus? Est-ce que les G2 vont partir sur la même recette? Ou est-ce qu'on va avoir une game plus conventionnelle? Beaucoup de questions, Glocko, beaucoup de questions. Beaucoup de questions, bien sûr. En tout cas, le Draven est encore une fois banni. Question, bien sûr, sur le Jace aussi, côté G2. Voilà. On le supprime, donc on résout le problème de cette façon. L'autre option était effectivement de le first pick. Est-ce que c'est un ban de Jace ou un ban du Panthéon de Broken Blade? C'est peut-être la façon dont il faut interpréter ce ban, effectivement, mais du coup, réponse à nos questions, on supprime et le Jace et la Lissandra. Alors ce ban Lissandra, il fait quand même un peu monter la prio sur Harry Twix, faut le dire, même s'il demeure quand même pas mal de bonnes réponses à Harry. J'ai déjà la réponse, hein. La Harry, c'est vraiment côté G2 et côté Koi, ça va être Sejuani, Sylas. Ouais. Après, avec un Gnar probablement. Dans Harry, t'as aussi éventuellement le Veigar. Tu as. Bon, tu as le Swain, bien sûr, même si les gens l'oublient. T'as le blanc comme un vrai Chad. Open Vi, réponse. Logique, je voudrais Xayah, bien sûr. Ouais, logiquement. Xayah Sej. Xayah paraîtrait comme une bonne Xayah réponse. Xayah Rook, hein. Après, Varus est disponible. Hein. Varus est disponible. Varus pour comp. J'y crois moins. Oh ah ouais. Attends, c'est tôt, c'est extrêmement early tout ça, non? Ah ouais, c'est très tôt, ouais. Alors, c'est... Du coup, il n'y a pas de Sej, hein, je pense. Hein. Thématiquement, c'est OK dans Vi, mais comme ça, en blind pick.
C'est vachement early. Est-ce qu'il serait pas un peu en train de disrespect Broken Blade là, de lui dire t'as aucun champion qui counter mon Kennen? Bah franchement, j'ose le dire, dans cette série, c'est Zygonda qui a la main, franchement, dans le duel. Ouais. Bon, bien sûr, ils ont perdu la première game, mais c'était pas du 1v1. Je pense, dans le duel des top laners, avec les armes mises en place, Zygonda, vraiment pas de quoi rougir de son BO. Alors, bon, composition teamfight, hein, clairement, pour les Koi. Je m'attendais au pic de Xayah, là. Ouais, là, Xayah, donc Wukong plus Kennen, je suis d'accord, ça reste indiqué. Du coup, ça va être la troisième game de Varus pour Instama. Après, il considère peut-être qu'il n'y a pas de réponse suffisamment inquiétante contre Varus, disponible pour comp. Ouais. Après, du côté des G2, la draft, elle commence un peu à prendre forme. Là. On a envie de lock quelqu'un et de le one-tap. Ah, c'était une game parfaite de Sejuani Sylas. Je vous l'avais dit, Koi, je vous l'avais dit. C'était Sejuani Sylas, là. Ouais. Après, t'as... On va pas prendre Sylas en double AP. Ouais. Tu peux, hein. Tu peux, il a des ultis qui sont pas mal. Ils vont jouer Xayah, non? Bah dans Varus, est-ce que c'est le meilleur choix? Après, c'est que contre Aris... Bon, c'est une autre forme de Xayah. Ouais, ouais. Ouais, on accepte. C'est pas 100% safe, hein, ouais. Attention. Parce que Vi, elle peut smite ton spell shield pendant l'ulti. Enfin bref, il y a quand même des trucs... Il y a quand même des trucs à faire. Et attends, mais Xayah, tu fais nerf ou quoi? C'est passé de top Oméga Pic Prio. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, parfois, tu sais, dans un même BO, la méta, elle change. Ouais, c'est la méta du BO G2, quoi, hein, complètement. Ouais, ouais. Là, par exemple, on a eu deux fois Panthéon dans Jayce. C'est vrai. Pour ne citer que ça. Et là, on a Jayce et Lissandra qui sont ban en blue. Et avec Malphite qui était open, d'ailleurs. Le Malphite qui était open et qui ne les fera plus. Alors. Est-ce qu'il était dangereux pour les Koi, ce Malphite, d'ailleurs, hein, accessoirement? Pas. Ouais, c'est pas foufou, je suis d'accord. On va respecter le Sylas de Larsen. Ouais, mais il a des bons ultis quand même là. Hein. Mm-hmm. Et Veigar du coup? Oh, Olaf. Veigar. Ben. Veigar pour Larry. Ou alors. Ou alors tu bannes une autre lane, mais. Il y avait beaucoup de ban Tristana aussi dans la série. Ban de Leblanc. Oh non, mais on voulait Leblanc, Harry! Ouais. Ah, j'avoue, ça m'aurait mis bien ce match. Oh, j'ai deux. Non, mais du coup, il y avait beaucoup de ban Tristana. On serait pas contre un autre AD. Je pense que Kennen solo AP, c'est ok. C'est ok, ouais. Ouais, c'est ok-ish. Ah, ah ouais. Ah bon. Ah, c'était pas facile, là. Il a une Akali. Et il veut la sortir dans cette game. Oh, Hans Mama, cette game a déjà l'air d'être très 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 difficile pour un Varus. Oh, le vilain Tame Kench. Oh, le vilain Thresh. Hein. C'est pas une Varus game, ça. Ou alors Renata. Ah. Blitzcrank, c'est non. Là, Tame Kench. Karma est pas dégueu. Hein. Tame Kench, Thresh, Renata. Alice, je pense que Karma, c'est trop dangereux comme Blanpik. Ah, ça, c'est Jarvan dans Kennen. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment. C'est Jarvan, la réponse. C'est un peu la réponse vieille école, quoi. Je cherche un truc qui gêne Akali, en fait. Un support? Ouais. Renata, hein. Attends. Alors, attends. Ah, attends. Jarvan et Gragas sont double flex, les deux peuvent être support. Ouais. Et Mikix... Et les deux peuvent être top. Vous le savez, hein, normalement, sur notre antenne, Mikix a un excellentissime Gragas. Et Gragas, c'est OK dans Kennen aussi. Donc, Jarvan et Gragas sont des réponses à Kennen. Oh. Ce Jarvan, je pense, en premier lieu, il est pour Lyre, ouais. Clairement. Parce que Gragas a un bon match-up dans Leona. Ah, par contre, Thresh, c'est autre chose. Alors, Jarvan dans Thresh, c'est un cauchemar. Ouais. Surtout en support. Mais Gragas, c'est pas forcément mieux. Alors, en vrai, Jarvan support dans Thresh, c'est pas tant un cauchemar que ça. Ah ouais, si t'es pixé sur les flays, c'est mort, non? En fait, le truc, c'est que Jarvan, il a pas envie de go in. Il va juste te mettre des drapeaux. Il va juste te flaguer. Ouais, c'est en LCK qu'il sortait des Jarvan dans les Thresh. Avec Kalista, notamment. Mais par contre, c'est vrai que plus tard, si tu veux mettre des combos, c'est très embêtant. Ouais, mais en face de lane, c'est... T'as de quoi faire. C'est un peu ce qui m'inquiète, à vrai dire. Mais c'est vrai que le blend pick Jarvan support, après, c'était un double flex avec Gragas. Ah. Donc bon, ça se tient. Ah, G2, ça cook aujourd'hui, hein.
Et Koi aussi, franchement, Koi aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Je m'attendais pas à voir aujourd'hui la Akali de Larsen. Franchement. Moi non plus. Bah, super. Franchement, on n'arrive pas à faire le tier listing. On est surpris par les drafts et que demander de plus dans un BO G2 Koi. Parce qu'une dernière ligne droite en plus, cette game 3. Que de plonger dans l'inconnu, tout simplement, avec Capsdad qui veille au grain. Et avec. C'est pas Capsdad. Non, pas exactement. Bien, mesdames et messieurs, à vos pronostics, bonne chance. Franchement, bonne chance. Parce que là, vous ne pouvez pas compter sur vos commentateurs pour vous aider, mesdames et messieurs. G2 vs Koi, game numéro 3. C'est mardi. Et c'est l'heure de la balle de match dans ce BO entre G2 et Koi, avec des drafts extrêmement surprenantes, mon cher Twix, avec ce match-up Thresh contre Jarvanbot et Gragas contre Kennentop, mais également Harry contre la Akali de Larsen. Plus le droit à l'erreur d'un côté comme de l'autre. C'est en train de cook au niveau des summoners de la botlane des G2. Ah oui. Alors l'exhaust, on la comprend parfaitement parce que c'est un summoner obligatoire contre Kennen. Même contre Wukong, c'est bien. Même contre Wukong, c'est vrai. Mais pas de purge contre Thresh. Il va falloir sidestep. Mais donc un hook et c'est la punition max. Caps sur Harry contre la Akali de Larsen. Caps qui va donc avoir beaucoup d'espace dans le début de cette game. Avec Yike aux commandes d'un des meilleurs junglers de la méta, sans ses counter-picks en face, hein, sans Xayah ou quoi, mais bon, avec une Sylvia, mais qui n'est pas un hard counter grâce à l'existence du smite. Caps, Yike, c'est à mon avis le tandem dangereux du point de vue des Koi. Absolument. Absolument. C'est par là que G2 va vivre et mourir. Oh, la belle info. Eh oui. C'est Ganda qui se permet d'aller prendre l'information sur Yike. Et regardez le starter de ce Wukong Malrang qui commence au niveau des loups. Et qui a l'information maintenant du starter de Yike. On va voir comment il s'adapte. Qu'est-ce qu'il nous fait là ? Eh ben ouais. Attends, c'est Gank niveau 2 Wukong ? Non. Attends, il a. S'il a start. Mais Wukong n'est pas un. C'est un Gank niveau 2 Wukong ? C'est un Gank niveau 2 Wukong, mesdames et messieurs. Ah, c'est ouais. Parti. Le petit Cheesy Simikix qui fait un focus. Pourquoi il a Z comme ça, Malrang ? Mais quelle est cette sorcellerie ? Oh, le flash shield, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'on vient de voir ? Oh mon dieu ! En tout cas, on a la prio pour les Koi, hein, ça c'est certain. Oh, le flash de comp était tellement boosted. Oh, la technologie très avancée qui va coûter. Ça va avoir un prix, tout ça. Ah ouais. Parce que Malrang, il peut pas aller invade le red side de son homologue parce que le matchup mid, il est pas du côté de son équipe. Ah ouais. Pas pour l'instant. Et il se fait taxer, Malrang. Non, mais qu'est-ce qu'on vient de voir, Twix ? Je sais pas, mais le Z-in de Wukong, j'avoue, m'a exterminé. Et le flash auto de comp ? C'est le flash auto de rage. Oh là là, par contre, très 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 joli trade de Ziganda. Oh my god ! Ganda, ouais. C'est véritablement super Kennen. Mais bon, là, c'est Nuguri, évidemment, sur ce skin. Oh, il a sa boss mid, hein, bien sûr. Ouais, Caps qui est en train de travailler Larsen au corps. Malrang, est-ce que t'es sûr de ce call, mon bro ? Est-ce que t'es sûr de ce call quand tu vois l'état de la barre de vie ? En plus, il est en train de cross. Il prend la plante en plus. Donc là, si on regarde la carte du côté des G2, on peut avoir cette information. Oh ! Allez, ouais, Malrang, il faut lâcher. Aïe. Est-ce qu'il va voler ce poulet ? Non plus. Bon, il a au moins le mérite d'avoir essayé Malrang. Du coup, on va se venger avec un petit gank sur Caps. Caps qui hug étonnamment le bon side, du coup. Side où il a la vision. Oh, le bait est total. Ouais, Caps qui se repositionne, pas de problème. Mais Malrang, enfin, Wukong n'est pas un ganker early. Pourquoi il a pressé S dans le buisson, Malrang. Malrang, il est tilté. Hein. J'ai l'impression qu'il est tilté. Non, il cuisine. Il a sa recette, Yike qui va être repéré par cette. Oh, alors ça. Bonne ward. Il va commit sur le scuttle à 13 HP. Mais quel enfant. Quel enfant. C'est dur. Et il lui met les mottes. Let's go.
Cap. Cap a besoin de consommer son flash. C'est pas possible. Regarde le Malrang, il s'arrête plus. Malrang, il s'arrête plus. Il va proxy farm la wave. Oh, il est tué. Il a plus rien à foutre. Il est tué. C'est qu'en plus, il peut même pas faire ça parce que l'XP que te donne les creeps quand tu es jungle maintenant. C'est réduit. C'est ça, avant les 14 minutes, c'est réduit. Donc même ça. Oh non, mais. Ah, j'ai de la peine pour Malrang. Franchement, s'il joue Lee Sin, Malrang est à 5 kills. Oh là là. Premier kick. Et regarde l'écart de farm déjà entre les deux junglers. Il a que des moitiés de jungle partout à farmer. Et il s'est fait deny le scuttle par Cap, ça. Mais Malrang vient de German suplex sa game. Cap, là, il a installé un appartement 5 pièces dans son cerveau. La seule question, la question la plus importante, c'est est-ce que ça valait le coup? Voilà. Ces décisions sont ce qu'elles sont, mais est-ce que ça vaut le coup cet avantage virtuel donné à la botlane Twix? Pour l'instant, le bilan il est hyper négatif parce qu'il n'y a pas de flash sur comp et le farm est even. Moi, je pense que ça ne vaut pas. Ça vaut pas le coup. Non. Et t'as 3 camps de retard pour Malrang. Après, il s'en est remis hein, dans la game 1, mine de rien. Bon, il jouait Sage. Non, il s'en est pas remis, ils ont perdu. Hein. Oui, non, mais il s'en est remis dans le sens où. Il arrivait à jouer une game décente parce qu'il jouait ses Juani. Ouais. Met un air, il stun, il se fait one tap. Bon, C'est vrai que Wukong, pour le coup, ça a besoin d'un peu plus de ressources et ça assure. Voilà. Pour être full stuff, Wukong, il a besoin de son divine. Tout à fait. Et idéalement, c'est bot en 2. Il a besoin d'un niveau 6 également avant la demi-heure de jeu. Oui, effectivement. Ce sera peut-être pas le cas dans cette game. Bah, il a ce bot scuttle qui est providentiel à ce stade, hein, je peux le dire. Force à lui. Hein. Là, forcément, les G2 se frottent les mains. S'il n'y a pas de débordement, la transition niveau 6 plutôt. Oh, le combo de la part de Larsen qui se fait bisouter instantanément, ulti contre ulti. Ma foi, c'est une victoire. Après tout, Larsen, lui, n'a pas de mana. Ouais, du coup, il a le contrôle de cette wave. Et il y a qui esquive la vision. Pour commencer, ce dragon infernal qu'il est capable de réaliser en solo, triple épée longue dans l'inventaire. Mm-hmm. C'est qu'il risque pas d'y avoir Wukong sur le bot side à ce timing là. Étant donné qu'on a appuyé sur tab et qu'on a vu 20 CS et qu'on s'est dit bon bah il est topside dans le bug. Larsen en contrôle hein, dans cette situation. Cap ça pas de TP effectivement, situation un peu périlleuse pour le mid laner des G2 qui aura bien besoin d'aide ici. Est-ce qu'il peut reset clean prochaine wave peut-être canon? Un canon. C'est un canon. C'est un canon, on s'en sort bien. Et donc Larsen qui va quand même freeze cette wave. Il est content. C'est le 22e hook que Mikix évite en passage. C'est vrai que les ops, c'est vraiment. Ouais. Ils sont pas sympas. Il a des mouvements de génie. Matchup top pour l'instant, pro Kennen bien sûr, force de l'auto-attaque. Mais l'écart est. S'élève à une wave, honnêtement, si tu comptes l'écart en CS là sur ce crash. Donc on est fine, on est plus que fan. Et d'ailleurs, on va aller se faxer dans le side bush. Il s'est littéralement faxé, il est passé là. Il a pas été vu, Yike. Est-ce qu'il a une transi niveau 6 qui arrive sur cette wave, le jungler DG2? Oui, tout à fait, il est là le niveau 6. Et le menu spécial avec la livraison par-dessus et le coup de bidon en réception, le Maelstrom qui sera normalement insuffisant. Le manteau nuage peut-être et le rush. Et oui, c'est bon, Zigandai out. Est-ce qu'il veut y aller? On hésite! Il veut y aller! Il a son flash! Et ça suffit pour récupérer le first blood pour Broken Blade! Quelle intelligence de Yike! Oh, c'est pas fini peut-être! Larsen qui est déjà accueilli par un tonneau. Qui vient pour. Yike est trop fort! Hein. Ah, pour Instagram hein, pour l'instant. Yike est trop fort à League of Legends. Ouais, la trajectoire qu'il prend grandiose, clairement. Trajectoire, le timing passage niveau 6. La créativité, il a tout. Et ça fonctionne. Allez. Cette wave est crashée, mais du coup ça a permis à Caps d'avoir un reset assez confort. Et les Koi qui ont entamé cette transition héros de la faille qui est instantanément poulé. Voilà, tout est bien qui finit bien pour Malrang. Il est niveau 6 sur un timing Herald. C'est tranquille. Ouais, petit héros de la faille effectivement qui va être récupéré. Oui, il a un smic de retard dans son inventaire mais c'est ok. Tant qu'il ne tombe pas nez à nez bien sûr avec son homologue, héros de la faille récup, hop, et on va clear topside. Ouais, ça fonctionne hein, pour les Koi, petite plaque pour Larsen. Franchement les bonnes nouvelles s'accumulent. Égalité au gold
héros de la faille en poche, léger avantage. Et Bebou Larsen, il a l'air d'avoir une petite écali quand même. Ouais, 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 clairement, ça clique. Pas mal. Ça clique, ça clique. Il n'est pas en retard contre la Harry de Caps. Alors que l'early phase de lane est tout sauf facile pour lui. Qui voit son support qui revient en lane, pas de problème, c'est contrôlé. Et c'est Yike hein, qu'il faut suivre dans cette game. Ouais, Yike, le chef d'orchestre. Hein. Caps, Yike, Yike, Caps. Le tandem. Après, un tandem qui a rien à se mettre sous la dent pour l'instant. Très difficile de stack une wave contre Sivir. Impossible même de stack une wave contre Sivir. Clairement. C'est pas Jarvan qui va la zoner, hein, je pense, pas en l'état. Et retour donc sur des lanes normales. Donc. Ouais, on est à 10 minutes, il n'y a eu qu'un seul kill. C'est Larsen ou c'est Showmaker là? C'est vrai que sa Akali, elle est. Elle est sexy, hein. Oh, dis donc. Malrang. Il va être vu par le bon drapeau de Mikis ici. Il a le héros de la fight toujours dans son inventaire. Il aurait peut-être eu envie de l'offrir à son carry AD. Et regardez sur la minimap, Yike est toujours présent au bon endroit, au bon moment. Il est au rendez-vous pour assumer ce 3 contre 3. Il n'est pas vu là. Il y a Larsen qui décale aussi. Hein. Il n'est pas vu, Malran qui rentre dans ce buisson. Il y a un comité d'accueil, mais il y a Larsen qui va venir à son secours. Cataclysme, c'est la confusion la plus totale. Et c'est 2 kills pour les Koi et un revenge récupéré par Hans Mama. Ouais. Seul problème, il n'y a pas de dragon. Et du coup, il n'y a pas de Herald non plus ben à poser. Ça. Avec Malran qui est mort, tu peux pas lâcher l'héros de la faille. Et donc, on arrive à faire du damage control. Oh, il est bien vu ce predict. Il est bien vu ce predict de la part de Trimby. Oh là là. Mais c'est kill, hein. C'est kill tout simplement. Trimby Masterclass. Ouais, ouais. Très, très bonne anticipation. Et ouais, la cleanse. Bah, t'as une chance sur 3. Quand tu joues. Ouais, c'est vrai, l'absence de cleanse. La cleanse. Et dans ces scénarios, quand tu joues trash, t'as une chance sur 3. À droite, à gauche ou au milieu. Petite panenka. Mmh. Ah, c'était pas mal, hein. Oui, il était confus sur ce qu'il arrive quand même. Et est-ce que le cataclysme n'était pas un CSC au final hein? Bon, il n'y avait pas d'issue. Franchement, il n'y avait pas d'issue. Red kill pour Hans. Mais le fait que Hans soit supprimé derrière est bien entendu assez problématique. Alors, l'état des lieux. Situation loin d'être catastrophique pour... Oh là là. Attends mais attends, enfin on vit dans quel monde là? On vit dans quel monde Glopo? Écoute la Akali de Larsen Twix hein. Il fallait l'avoir pour le croire. Et on y est. Il a un contrôle de sa midlane qui est irréprochable pour le moment. Il a mis une clé USB. Petit script tu penses? Ah écoute, je l'envisage. En tout cas, je serais pas rassuré. Mais bon, 2 dragons pour les G2. Avec une soul, ok, océan. Et ils prennent les choses en main, les coils. Hein. C'est la première brique qui va tomber top. Donner un comp au passage, comp qui a déjà un kill, 2 assists. J'avoue que j'en oublie totalement la game 1 là pour le coup. Hein. Ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Game 1, à 12 minutes, il y avait 65 kills. Oh, Trimby, regardez-moi ce timing. Le crossmap, hein, évidemment. On zone le Gragou, on force le flash. Est-ce qu'il y a la deuxième charge? Je crois bien. Et Ziganda qui s'extirpe sans consommer son flash également de la contre-attaque G2 côté opposé. Ça cross-map agressivement. Mais ça cross-map mais c'est pas la même tourelle ben, et puis surtout cross-map contre un héros de la faille, ben voilà c'est ça du coup. C'est qu'on en arrive à la T2, qu'on a mis mid-life et la T1 bot n'est pas en... Mais oui, mais... on est encore en timing plaque. Et on va pouvoir TP et défendre du côté de Ziganda. Attention parce que Hans n'a pas de flash alors que Ziganda dispose du sien. Et donc on va devoir lâcher, abandonner l'idée de prendre cette tourelle. Et les Koi, game 3, c'est quelque chose là. Hein. Ça joue là. Hein. Leur gameplay est vraiment smooth. Ça glisse très proprement. C'est une Ludenari. Intéressant. Je voyais plutôt un gameplay Everfrost pour déloger Akali de son Shroud. Pour gérer Wukong, pour gérer également Kennen. Ouais. Hein, ce petit Everfrost, je pense, aurait eu pas mal d'utilité dans la game. Je suis d'accord, surtout que il y a quand même pas mal de dégâts magiques hein, dans son équipe. Oui. Gragas en fait beaucoup, surtout qu'il est parti séculaire first. Varus en dit énormément. Et Jarvan, dans une moindre mesure, en early game avec son drapeau. Ah, c'est étonné par le choix. J'ai l'impression que t'aimes bien comment les Harry build. J'ai envie de crever. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait.
Geeks qui a été vu ici. Hein. Oh, oh, oh. Et on sait que Nikix, c'est la définition même de gratuit avec son Jarvan. Stopwatch qui tombe. Oh, le timing, oh, le timing et le boomerang, bien sûr, qu'on récupère le kill. Oh, c'est dur. Mais derrière, il y a l'interception de Caps. Comp qui est forcé à la classe instantanée. Zigonda qui cherche le Maelstrom, qui va le trouver, mais sur un seul joueur. C'est encore jouable pour les G2, mais ils sont pris en sandwich. Ils sont pris en sandwich et ça semble compliqué de s'en sortir. Oh, qui tente le trade kill, mais qui n'y parviendra pas. Et derrière, on va pouvoir raccompagner Broken Blade à grand renfort. De coups de bâton entre les deux yeux. Realistic Gunna qui va lui interdire la porte de sortie. Broken Blade qui voit le dive bien se sûr concrétiser. Ils vont le dive, le Hillbilly. Viens ici. La wave est sous tourelle. Qui c'est qui tank? C'est Malrang qui s'y colle, bien sûr. Aussi généreux soit-il. Oh, Mikix qui vient offrir un nouveau kill à l'équipe adverse. Non, il en récupère un. On a trigger l'aggro de la tourelle. La petite erreur, la petite bavure. Mais Mikix est bien entendu condamné. Ça joue bien, Coil, hein. Oh que oui! Ça joue vraiment bien, hein. C'est impressionnant l'évolution dans le BO, ce qu'ils sont parvenus à faire. 2 kills sur cet Akali, 3 sur Wukong, 3 sur Sivir. On a presque 4000 gold d'avance au quart d'heure de jeu. Ça sent pas bon pour G2 cette histoire. Je suis d'accord, hein. Sans les Drake, honnêtement, je dresserais un bilan encore plus catastrophique. Et comme l'a si bien dit Yike en interview après match, Malrang, si Malrang trouve un moyen d'activer son équipe, bien les Koi s'en retrouvent métamorphosés. Et là, franchement, on se moquait de lui avec ce gank niveau 2 Wukong botlane, mais au final, c'est juste une utilisation optimale de la catch-up XP, de cette mécanique glorieuse installée dans League of Legends, qui lui a permis, malgré un passing de Silver 4. Trimmy, le bon step, est-ce que c'est suffisant pour rester en vie? On va quand même devoir consommer le flash. Wow. On esquive, se faisant la chaîne de corruption de Ansama, alors que on s'intéresse à ce héros de la faille, hein, à n'en pas douter. Est-ce qu'on peut vraiment l'assumer? Est-ce qu'on peut vraiment le jouer? Sigunda qui vient de récupérer son ultime. Sigunda qui semble être la prochaine cible des G2, celui qui dit. Tout à fait. Et il a pas de filet, Sigunda. Il y a beaucoup trop de monde, il va certainement tomber, arrosé même par l'ultimate de Broken Blade. C'est Caps qui récupérera le précieux kill. Alors on prend un kill top. Mais derrière, c'est mid lane. Voilà, c'est ça, on prend un kill top et on perd un mid. Et les rotations Koi qui s'enchaînent et qui sont intelligentes. Larsen, est-ce qu'il peut cancel quelqu'un sans se faire cancel lui-même? Il cancel deux joueurs d'ailleurs. Allez, choisi. Caps, il a pas d'ulti. Caps n'a pas d'ulti. Mais il a un cardio. Il a un cardio. Oh! Il a un petit cardio. Oh, on gagne pas tellement de temps que ça en réalité. Hein. On sait très bien que les Koi vont aller se retourner sur ce Drake. Oh, quoique. Non, il n'y a pas le temps. Il y a Wukong juste à côté. Ah, c'est héros de la faille, je pense. Hein. Wukong va contest, non? Ah, ils vont laisser triple Drake? Oh, bah ça, c'est pas une mauvaise nouvelle pour les G2. Ouais, c'est vrai que pour le coup, ils s'en sortent bien. Parce que ils sont en retard économiquement. Ouais. Ah, c'est pas une mauvaise nouvelle pour les G2, honnêtement. Ils sont pas lucides, Koi, là-dessus. Merci, monsieur Caps. Ce cardio qui porte ses fruits. C'est vrai. Ouais, trop. Tu te rends compte, tu te fais exploser sur la map, mais t'as 3 Drake. Dur. Bah, tu restes confiant, hein, quelque part dans la game, là. Faudrait bien cette tourelle, quand même. Malrang. Oh là, Bibi. Qui s'est trop avancé, la connexion connect. C'était prévu, c'était complètement prévu. Malrang qui va tomber, qui va récupérer le bonus. C'est pour Ansmama. Et de l'autre côté, attention, pas vous avec le bisou de Caps, mais c'est pas grave, on n'avait pas besoin. Ils ont réussi à retourner la situation en leur faveur. Ah. Les Koi ont défendu cette tourelle qui était à pixel HP. Ouais, ah, c'est. Les T1 sur des sides en mid-game, c'est toujours un bait. Surtout que là, ils n'avaient pas la tempo pour cross-map. On arrive à trouver ce play off-tempo pour G2, très très bien lu. Tu n'étais pas d'accord, je pense. Larsen, il avait sa TP, il me semble. Ouais, c'est vrai. Si ce move était prévu, j'imagine qu'on avait une option de TP, mais ça n'a pas été le cas. Et attention, hein, parce que... Ah, c'est la bavure, là, vraiment. Ah, il y a 3 dragons pour les G2. S'ils arrivent à trouver un petit peu des ressources comme ça, on est loin d'être tiré d'affaire pour Koi. Non, clairement, là, ce qui vient de se passer sur cette T1 bot, c'est catastrophique. Ils sont pas non plus sortis de la game. Hein. Comp est toujours gigantesque. Le héros de la faille est définitivement pour eux. Héros de la faille qu'ils auraient dû faire d'ailleurs sur le 2, 3ème Drake. Mais bon,
Ouais, laisser Drake T1 bot et puis juste jouer cet Herald, le poser dans la foulée. Mm-hmm. Prendre une T2, partir en ricanant. Et dévaliser Boris, le shopkeeper. Tu t'appelles Boris ? Non. Tu l'as appelé Boris ? Non. Ok. C'est la Shadow qui l'appelle comme ça. Ok. Je sais pas si c'est un prénom qu'il aime pas. Boris. Ouais, Boris. On se souviendrait. C'est Boris. Allez, Baron Nashor donc qui spawn dans une dizaine de secondes. Alors qu'on a une tentative de kidnapping ici. Pour Yike et Bibi. Ouais, qui portera pas ses fruits. Côté Koi, on prend son temps pour Larsen surtout, qui attend avant de se montrer sur cette wave top. Il attend que ses coéquipiers réouvrent sur la carte. Et pour le moment, il reste dans le brouillard de guerre alors que les G2 bougent en équipe et viennent prendre le contrôle de la vision autour de ce Baron Nashor. Baron Nashor qui est envisageable, hein. Ils sont crédibles dessus, c'est un Varus on hit avec sa Ginsu de compléter. Et on a de quoi le tanker ce Nash donc. Le contrôle de la zone est important. Ceci dit, dans deux minutes, on a le quatrième Drake. Ah, c'est sous point, ouais, complètement. Hein, donc on aimerait bien provoquer quelque chose avant qu'on soit forcé de prendre une décision. La décision quoi ira forcément vers le Drake. J'aime bien cette position de Malrang, mais qu'est-ce qu'il attend ici ? Oh, bonjour. Hello. Il aurait bien aimé faire un pick-up into héros de la fée sur la T2. Ouais, certainement. Il y a la là, TP. On est au courant là maintenant, bien sûr. Il y a la TP disponible sur Tuganda. Attention, hein. Il est un peu posé. Nature. Après, mode suffit, gladiateur, hein. Ouais. La défense G2, bien sûr, qui va se présenter. Attention, le cyclone dans la river, Mickey. Mickey qui a été fracassé par le coup de bâton. Mec, il a fendu en deux, on a l'impression. Ah, c'est. Bah, le Wukong est full stuff, il a son divine. Ah, totalement, on rappelle ce Wukong à gank niveau 2 bot en ayant start c'est top side. C'est que ça, c'est. Et son gank, il a fait un Z. Et là, il vient de. Ouais. Il vient de massacrer tout simplement le support des G2. 50 secondes avant le prochain bon. Drake. Est-ce que c'est la porte de sortie pour G2 ? Écoute, forcément. Après, c'est peut-être pas celui-ci, c'est peut-être le prochain. Ouais. Ça dépend de ce qu'on prend en échange. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de garder ce héros de la faille pour jouer le Drake d'ailleurs pour que... Ah ouais ? Non, il veut juste checker. Ouais, c'est... Ah c'est ça, hein, les Koi ils sont bien conscience que ce Baron Nashor, G2 peuvent le faire. Alors que Kat est en train de TP sur cette botlane. Oh, Malrang. Il se fait accrocher ici, j'ai pas l'impression. Les dégâts sont assez faiblards. Pourtant ce bâton séculaire a déjà proc pour Broken Blade. Mais un petit ex-drinker quand même. C'est vrai, c'est vrai. Et le bisou directement dans le clone. On veut réinitier, on se fait un peu plus sévèrement accrocher maintenant. Du côté des G2 surtout, Caps qui s'estirpe à merveille. Un petit hook qui ne devrait pas être létal pour Broken Blade. Il n'y a plus d'ultimate Harry. Qui hésitait, qui ne déclenche pas. On a perdu des CD assez importants pour les G2. Plus du Tigragas, plus du Harry. Et le cyclone, il est up. Hein. Ouais, il est up. Ah mais il est low HP Malrang qui va tenter de sustain un petit peu sur le groupe alors que Stigana est en train de gagner du temps. Mais le dragon a été commencé par les G2. On rappelle que c'est le soul point ici. La bête capitale qui va être flash par Sama. Malheureusement, elle va connecter sur Broken Blade qui va trouver un flash out à son tour. Oh, alors on est en train de focus comp qui est en train de KS qui va devoir flash out à son tour. Ce n'était pas nécessaire. Mais le dragon sera bel et bien sécurisé par les Koi alors que les géométrie. G2 se rendent compte que la map est incarnée. La géométrie, non ! Il n'y a pas de porte de sortie pour les G2. Ils sont tous décédés. C'est un ace, mesdames et messieurs, à 23 minutes de jeu. Effectivement, Glopo, c'est un 5-0 bien tassé avec Drake en plus de ça récupérer, donc une soul interrompue. Clean ace et la soul qui a été deny. Aïe, 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 aïe. Regardez Mickey, j'ai beaucoup aimé quand même ce qu'il a fait. Regardez, hop. Prison. Il l'a mis en prison. Mais bon, c'est pas suffisant. Il l'a mis en garde à vue. Hein. Ouais, et ouais. Comp qui a montré qu'il était un petit peu overstat pour se faire avoir par une vaille Harry. Et derrière, bah, on est dans l'angle de la carte. Forcément, il n'y a pas de miracle hein, pour le coup.
Même si Hans-Sama, j'avoue, il a tout donné. M'a fait frissonner un petit peu. Ah ouais, hein. L'émotion. Oh, ça t'est... Ah non, j'ai cru voir une téléportation. J'ai halluciné. En tout cas, les Koi qui sont en position d'étranglement autour du Nash, là. Ouais, cet up a l'air excellent. Il reste ce scuttle, quand même, qui offre un peu d'oxygène au G2. Waouh. On a envie d'en découdre, on a envie de créer la surprise. Initiation directement sur le support des Koi qui va être supprimé au prix du jungler. Un trade pas du tout rentable. Et de l'autre côté, bien sûr, la prison. Officier Mikix. On a récupéré deux et apparemment ça a saoulé Larsen d'être victime de cette bavure judiciaire. Baron Nashor entamé dans la foulée qui devrait aller au bout. Hein. Je ne pense pas que Hans-Sama ou Broken Blade ou même Caps se présentent à la défense. On a vu des Varus historiquement voler des Baron Nashor, hein. Mais bon, sans vision, c'est quand même compliqué. Allez. Et ce sera bel et bien Baron Nashor. On attend que Trimby apparaisse pour en faire profiter l'intégralité de l'équipe Koi. Mais ce sera bel et bien un baron sécurisé pour Koi à la 25e minute de jeu. Et je crois que Trimby ne l'a pas eu. S'il l'a eu, c'est bon. Franchement, je suis vraiment partagé entre super perf Koi, perf moyenne voire mauvaise de G2. Tu vois, c'est mon cœur balance vraiment. Je pense que bon, maintenant qu'il vient d'acheter un Medjay, je pense qu'on peut clairement valider la Akali de Larsen. Bah ouais. Hein. La Sivir marche superbement bien. Mais je peux pas m'empêcher, encore une fois, c'est juste un sentiment, pas l'ombre d'un blâme, mais je peux pas m'empêcher de penser que ce Jarvan est pourri. Voilà, c'est pas du tout un blâme, hein. Je pense que les prisons qu'il met et tout... Enfin, il exploite au maximum le potentiel du champion. Voilà. Le champion n'a pas de potentiel, il n'y a pas dans cette game. Ouais. Ben, il était blind pick ce Jarvan, hein. On voulait jouer avec le double flex Gragas. Et au final, est-ce qu'il aurait pas été mieux dans Kennen? Et en laissant le Gragas support. Ouais, j'ai l'impression qu'il est vraiment éclaté ce J4. C'est ça le problème du pick, hein. C'est que si tu arse ton patalène via ton kit qui te permet normalement de le faire. Quand bien même ce serait relou d'avoir un cataclysme, je veux dire, il y a Thresh. Ouais. Et du coup, la phase de siège, voilà, qui est en train de se mettre en place pour les Koi qui sont en train de faire avancer les engins de siège mid et bot. Et de menacer les structures défensives de la botlane qui se fait focus pour le moment. On n'a pas synchronisé vraiment les waves. Trimby, le grab, il est super. Mais derrière Malrang qui va extrêmement bien disrupt le fight. Et derrière, on va pouvoir décider les meilleurs focus. Et ça se passe extrêmement bien pour les Koi. On est dans le fight de Sigonax qui va un excellent flash in avec un Maelstrom qui va complètement éclater la composition des G2. On va swap l'agro avant l'enfort de Zonia. Et derrière, c'est un triplé pour Comp qui va aller chercher son quadra kill. Et il se l'est fait voler, je crois. Ah ouais? Il se l'est fait voler par l'Arsou. Mais c'est une fin de game, mesdames et messieurs, les Koi. Les Koi, après s'être fait écraser game 1. S'il se l'est fait voler par Larsen, est-ce que Larsen a réalisé un Larsen? Oh, je l'ai. Écoutez, mesdames et messieurs, c'est la surprise, mais les Koi ont tellement bien joué. Dinguerie en vrai. Hein. Franchement, félicitations. Quand j'ai vu la game 1, je me disais que ça va être 2-0 pour G2. Bah, clairement. Je pense qu'on était tous... parti pour miser là-dessus et on se fait plaisir évidemment pour les Koi. C'est pas tous les jours qu'on inflige ce genre de choses aux samouraïs champions en titre. Ah, franchement respect. Mener 1-0 sur une game aussi violente que celle à laquelle on a assisté game 1. Into, tu come back avec un Jace monstrueux piloté par Sigunda, une très bonne Lissandra et Larsen qui nous sort la Akali sur cette game 3. Larsen a bien joué. Dans la Harid Caps en plus. Ouais, complètement. Pourtant, c'est Amilener qui s'est souvent réfugié derrière Azir, Victor, Corki, Saïla, Sejuani. Là, c'est Akali, franchement. Beau gosse. Ça travaille en tout cas chez Koi, hein, très clairement. Ça travaille aussi chez G2. Mm-hmm. Mais lorsqu'on travaille, on brainstorm, on teste des trucs. Et tout ce qui est testé, c'est pas forcément des bonnes idées. Ouais, il faut le savoir. Tu as été absolument conquis par ce Jarvan Pick, Twix. Je le sens. Je l'ai trouvé vraiment horrible et indigne des mains de Mikix. Mais ma foi, ils ont choisi leurs armes, hein, les G2. Hein. Rien ni personne ne les a forcés. Alors,
rassurez-vous, hein, personne n'est out de la compétition. On est en danger seulement pour les G2. Pour les Koi, par contre, on se frotte les mains. Ouais. Car si je ne m'abuse, et je me retourne vers Chipsou, mais pour les Koi, on est à 1 BO5 du MSI. Ou 2. Ils ont fait top 3. Ouais, c'est compliqué le calcul de points. Ouais, je comprends. On le fera plus tard parce qu'en Europe, évidemment, on a le cas Mad Lions qui vient un petit peu voilà, redistribuer les cartes et tout. On ne sait pas trop. Mais du coup, voilà, il y a moyen quand même pour les Koi d'être dans une position vraiment très, très, très favorable. C'est incroyable, hein. Un petit voyage à London. Alors, c'est pas tout de suite. Hein. C'est pas tout de suite du tout. Il y a quand même à minima un BO5 L'histoire serait folle quand même. Mais franchement, ce serait mérité. Ils ont bien bossé. Franchement, ils ont eu 2 semaines. Ils ont bien bossé. Ouais. Les G2 sont arrivés avec un moyen de révolutionner un petit peu le jeu. Force est de constater que soit ça n'a pas marché, soit forcément les conditions n'étaient pas au rendez-vous, on s'est loupé sur l'exécution. On ne sait pas vraiment où mettre la jauge parce qu'on n'est pas dans les meetings tactiques. Ouais. Mais il y a un truc qui a cloché, définitivement. J'ai l'impression qu'ils ont peut-être trop valu le fait d'avoir un double flex top support dans le 4-5. Parce que c'est à une époque, à l'époque où Stet était hyper fort, tu avais souvent le cas où tu avais Gragas Stet en 4-5 et du coup tu avais le double flex top support. Trop de flex, tu le flex, quelque part. Ouais. Tu te retrouveras. Après, Jarvan d'Entrèche, tu vois, c'est. C'est pas. Il était blind ce Jarvan, quoi. Donc on a pick Thresh sciemment. On a vu Sivir, on s'est dit oh là là, il faut absolument. La prison avec également Kennen. Quand tu vois la différence d'impact entre le Emerdinger et le Jarvan de Mikix, tu dis bon. Ah, il faut. Ça a pêché, quoi. Ça a manqué, ça a beaucoup manqué. Il faudrait 10 games de Jarvan pour ressortir ce Emerdinger, mais mesdames et messieurs, c'est l'heure du débrief. Victoire des Koi contre les G2 eSports. Écoutez. Un vent de fraîcheur souffle sur le LEC. On va voir ce qu'on en pensait, bien sûr. Chips et Fingin dans une petite minute pour le débrief. A tout de suite. De retour, mesdames et messieurs, avec eh bien voilà ce résultat. Un peu surprise quand on y pense au début de la journée. C'est pas forcément ce qu'on envisageait, mais c'est bien 2-1 en faveur des Koi. Et quand on repense à la première game du BO, où tu avais l'impression que G2 vraiment était en plein smurfing avec un triple Ignite, un Panthéon top, un Yasuo mid. Elle est loin cette game, Fingin. Bah ouais, très largement. Les Koi qui se sont rebiffés. On aurait pu les croire un petit peu au fond mentalement. On aurait pu croire également Malrang dans le dur définitivement après une game 2 où il la flippe un peu la game au niveau de la top lane et une game numéro 3 où il se fait subtiliser tous ses camps, mais la force mentale des Koi les a menés vers cette victoire au bout du suspense avec une draft qui aurait pu s'avérer être un peu compliquée à jouer parce que on le disait en off, Larsen sur Akali c'est pas toujours les meilleurs perfs, mais c'est il est pas connu pour ce pic. Il est pas connu pour ce pic, mais bon, le truc c'est que quand on y pense, il a récemment montré qu'il pouvait être très fort sur Sylas. On repense un peu à la fin de l'année dernière et même là pendant le winter. Mais petit à petit, tu t'en parlais, Twix, juste avant de rendre l'antenne, ça travaille, il semblerait, du côté de Larsen. On s'améliore sur certains pics. Et bon, s'il commence à devenir bon sur Akali, ça fait un autre bon champion avec Sejuani. ça fait un excellent champion avec Sejuani. Mais en vrai, ça a pris du temps. Mais la Chapel Pool de Larsen, en réalité, commence à être suffisamment vaste. Alors, c'est pas une galaxie non plus, mais tu vois, t'as Azir, Victor, Sylas, Akali, il est bon sur Orianna. Orianna, effectivement, même si c'est un pack pick, il y a un Twisted Fate qui peut sortir également. Franchement, ça commence à être Gucci maintenant. Mmh. Un nouveau champion par an ? Oui, mine de rien. Mine de rien, si tu le masterises vraiment, c'est quand même pas rien. Mais surtout que la team évolue. La team évolue, les Koi évoluent et Malrang a. Il a trouvé des moyens d'intervenir. Après, encore une fois, il s'est fait shutdown game 1. On a vu que les Koi, c'était un désert, hein, vraiment, sans leur jungler. Et là, il trouve toujours des moyens d'intervenir. Malrang, je sais pas comment il fait, franchement. Mais chapeau. Ouais, ce Jarvan, alors, en mid-game. C'est un cauchemar, hein, vraiment. Qu'est-ce que tu peux demander de plus à un Jarvan support que d'enfermer le Kennen pendant toute la durée de son ult? Je suis bien d'accord. Après, le problème, c'est qu'il peut pas faire autre chose. Oui, c'est un peu le problème. Et là, met de l'attack speed quand même. Oui, c'est vrai. Et là, on a senti la difficulté, hein, malgré les mouvements de Ansama. C'est certainement pas suffisant quand t'es enfermé et que tu te fais rush par de la Akali, du Kennen. Et à ce stade-là, la très game. Très propre, hein, quand même, le grab de Trimmy. Il était bon sur son Thresh. Le grab sur Ants en bot lane. Ouais, tout à fait. Bien anticipé.
Après, bon, encore une fois, il y avait des moyens de reculer, hein, purement et simplement. On a fait le choix aussi de partir sans Clans, ce qu'on a évoqué, hein, une précaution anti-Kennen. Mais enfin, il n'y a rien d'autre à dire que Koi supérieur à G2 aujourd'hui. En tout cas, ça c'est vraiment clair, net, précis. Il n'y a pas de souce. Meilleure équipe aujourd'hui. Ah ouais, ils ont fait le boulot, les Koi. Hein, et voilà, on peut se demander, est-ce que G2 est allé trop loin dans ce qu'on leur reproche parfois, mais ce qu'ils ont plus tendance à faire en saison régulière. Bah, lorsqu'ils et je veux parler bien sûr des pick flex un peu dans tous les sens et bah, de la cuisine expérimentale finalement. Lorsqu'ils ont de la marge, effectivement, lorsque dans ces BO1, t'es sûr de te qualifier pour la suite. Bon, après, G2 joue toujours avec cette assurance de on est au MSI, en réalité, donc ils peuvent se permettre des choses. Ça, c'est sûr. Bon, ils auront peut-être pas le first seed, du coup, ils auront, passeront peut-être par du coup le play-in. C'est pas dit encore. Hein. Mais voilà, c'est pas dit. C'est encore pas dit. Faut-il gagner face à S4 demain. Je crois que ça se joue demain. Attendez, on va revenir sur le planning parce qu'on a trimmé en interview. On revient sur le Hello Trimby. Now taking notes. So how do you dismantle a team like G2? Ah, come on. I mean, G2 didn't do that well in regular split and we didn't do as well. So even though it was match of the week, it was not like best of the best teams, right? And yeah, G2 is a great opponent to play against. They're really, they're crazy in drafts. They do very a lot of good things in game that just makes your game just hard, basically. And yeah, that's how it goes versus them. But you beat them in Malmo and you beat them in the regular season. So there's something about Koi that takes on G2. Yeah, I mean, right now it's going better and better. And yeah, it feels like versus them specifically, we get to actually fight them back in a sense, where before we would kind of just give them, you know, what they want, just like not really fight it, kind of scale. And now we're actually trying to like contest, which, you know, is good because we also learn from that. And yeah, we're doing better and better actually, fighting together and making sure we are having either advantages or we're not falling too much behind because of them forcing. How was your confidence in the series? Because when you were playing Leona in that first game, they were targeting you and you had a tough time. And then over the course of the series, you came alive, Trimby. So talk know. To me about my Leona game. I think my Leona game was like one of the better ones too. I feel like I was doing a lot of good stuff anyway, because I think if I didn't do that stuff, that game would be really lost fast. And yeah, you know, when you play Leona and you don't die, it's kind of grief. And if you die, you look like a griefer, but that's just how it goes, sadly. But yeah, other two games, it was, I was set up also well in the draft. But yeah, I had like picks that I knew I would perform regardless. And even though I was not too confident, because yeah, things were not going too great lately, I still think that I put on a good show. And yeah, overall, my team was playing really well. So now you're becoming a team that's a group stage team rather than a regular season king, I guess. Yes. Talk to me about the matchup against BDS tomorrow. Wow, they're the team that just, yeah, plays good League of Legends, I would say. Like, they're drafting well, like, for their priorities. They do a lot of good stuff in-game, and yeah, seems like they're, like, one of the teams, you know, that it's not easy to contest and, like, win against, because they always, even though they fall behind, they somehow always get a chance to come back, I would say. But very quickly, do they play better League of Legends than you? Well, I think we can beat them, so let's just figure it out tomorrow. Yeah, I think that's, yeah, why not? Let's figure it out tomorrow, as the man says. I mean, we have right, to ask, yeah. Yeah. Well, right now, let's send it over to the post-game lobby. Trimby de fort bonne humeur, il semblerait, après cette victoire, qui a dit un truc que j'ai trouvé vachement intéressant. Dire on progresse, voilà, il aime jouer contre G2, qui est une équipe un peu folle en termes de play, qui fait plein de choses très intéressantes, qui draft aussi de façon un peu folle, parfois trop. Voilà, c'est toujours la discussion. Mais en tout cas, il a dit, on progresse notamment bah, en offrant du répondant. Et c'est souvent un discours qu'on a par rapport à l'Europe, qui est, c'est important d'avoir une locomotive qui tire tout le monde vers le haut. Et G2, justement, qui force les Koi un peu à jouer un playstyle un peu plus... En tout cas, à se battre. En tout cas, à se battre, et c'est un truc, on le sait, qui peut être très important à l'international. Capital. C'est même pas important, c'est juste capital. Et se réfugier derrière le scaling, c'est un plan qui a déjà été fait à... Enfin, oui. On l'a siphonné, ce plan, côté Koi, côté Rogue. On sait tout ce qu'il y a au bout du tunnel du scaling. Et il n'y a pas...
Il n'y a même pas de titre de champion d'Europe en réalité, parce que ça se discute. Est-ce que les Rogues du summer dernier étaient l'équipe scaling, tu vois, ça se discute véritablement. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas de grand titre, il n'y a pas de grand achievement. Et il n'y a certainement rien à l'international avec ce genre de playstyle. Donc non, il faut se battre. Il ne faut pas partir que sur les moves 100% zéro. Parce que contre des bonnes équipes, ça n'existe pas. Ouais. Tout simplement. Enfin, ça existe. Je raisonne en absolu. Je fais un peu le site. Mais il y aura forcément des situations. Ce sera 60-40, 70-30, même des fois des 40-60 qu'il faudra prendre malgré tout. Et juste, on peut arriver à outplay, à mieux jouer, à tirer son épingle du jeu. C'est ce qui leur est arrivé aujourd'hui, même si, encore une fois, les chances étaient de leur côté, je pense. Ouais, bien sûr, mais les Koi, du coup, qui ont été très solides. Ils parlaient du match contre BDS demain, Fingin, et ils nous disaient que BDS joue bien au jeu. Notamment, ils trouvent qu'ils draftent bien et qu'ils ont des bonnes priorités sur les champions. Effectivement, ils considèrent que leur League of Legends est bon. Comme ils disaient, effectivement, ils draftent bien. Ils draftent bien selon la manière dont ils veulent jouer leur League of Legends. Et ça se joue, comme on le disait déjà lors du pré-show, hein, un peu vers le top side. C'est possible pour Adam. Selon la game, également vers le bot side. On sait à quel moment prendre quel champion et comment jouer autour des différents plans de jeu pour BDS, mais il se disait aussi assez confiant pour pouvoir potentiellement les battre demain, donc on verra comment ça se passe au niveau de ce prochain BO3. Ils peuvent effectivement, on va vous remontrer le bracket, mesdames et messieurs, et vous rappeler un peu les règles, bien sûr, parce que ça, c'est pas forcément clair pour tout le monde. Demain, donc, on aura Vitality, Astralis et BDS Koi. Les deux gagnants vont dans la phase suivante, les BO5, donc ils sont en top 4. Mmh. Et ils sont même en fait validés top 3, parce que tu joues dans le upper bracket de l'arbre. Mais par contre, pour les deux perdants, ils devront jouer contre le gagnant du coup, en Vitality Astralis, le gagnant de Match Fnatic la semaine prochaine, de l'autre côté, le gagnant de SKG2. Et s'ils perdent, ils sont out du top 4. Hein, donc voilà, c'est, je veux dire, le fait d'être dans le match Vita Astralis ou BDS Koi n'est absolument pas une garantie d'être dans le top 4. Je dis ça parce que j'ai vu des tweets qui m'ont étonné où les gens n'avaient pas compris. Ah oui, d'accord, ok. Non, effectivement. Voilà. De toute façon, à chaque top, sa phase, c'est pour ça que le LEC est en trois parties. Oui. Et donc, il faut aller au bout, hein, bien entendu. En tout cas, pour revenir au genre lui-même, de très belles séries. Vita Astralis, je pense que la Final Invocator va être écarlate. Ça va saigner. Ça va être assez juteux. Et le BDS Koi, beaucoup de match-up hyper hypants. Même si bon, Perks Leader et tout, c'est cool, hein, y a pas de souci. Mais BDS Koi, moi, y a un match-up particulier qui me hype beaucoup. Tous sont extrêmement prenants, hein, bien sûr. Hein, jungle, support, AD, top lane, forcément. Bien entendu, un duel qu'on connaît beaucoup, duel de LFL. Moi, c'est la mid lane que j'attends beaucoup demain entre Nuke et Larsen. Parce que ce côté polyvalent, ce côté au service de l'équipe, en fonction de ce que la draft, de ce dont on a besoin en draft, de ce qu'on a besoin pour faire fonctionner les conditions de victoire, du coup, il va vraiment y avoir un duel de vraiment au cœur du mid laner pur et dur. Et bien sûr, les junglers qui sont pris dans l'équation chez Omalang. Enfin, ça va être vraiment. Je pense vraiment le mid jungle demain, il va être incroyable dans ce match. Vraiment être super cool. J'avoue, du côté de la jungle en plus, ouais. Les deux sont d'excellents gankers. Ça se ressemble un peu, je trouve. Mais ceci dit, enfin, beau 113 aussi de l'autre côté. C'est un autre registre. C'est un autre registre. C'est d'autres saveurs. Ça devrait être énervé, effectivement. Et en tous les cas, vous l'avez compris, demain, honnêtement, on va avoir du beau League of Legends. On se retrouve bien sûr à 17h30 pour les matchs et 17h30 pour le pré-show, 18h. Pour les matchs. Et sur ce, mesdames et messieurs, il est temps de vous souhaiter une bonne fin de dimanche. Il est 22h30, il vous reste un peu de temps pour profiter du week-end. Alors, ceci dit, non, c'est lundi de Pâques demain. Demain, c'est lundi de Pâques, il y a c'est le vrai, challenge. En fait, la plupart des gens ne doivent pas travailler, enfin, en tout cas, beaucoup. Oui, c'est vrai, sauf les cloches. Sauf nous. On est les seuls à travailler en France. C'est bien connu. C'est sûr qu'on est vraiment les seuls. Hein. C'est bien connu. Un métier éreintant. Bref, écoutez, bon week-end de Pâques à ceux qui les tendent, bien entendu. Profitez bien et on se retrouve demain pour la suite du LEC des BO3. Allez, bonne soirée à tous.